Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nura TV, nous sommes en direct et on est très heureux de vous retrouver, spécialement heureux ce soir parce que c'est un dossier qui nous intéresse tout particulièrement et qu'on suit depuis déjà 6 ans sur Nuria. Oui, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais m'occuper du chat. Je vous préviens à l'avance ce soir, vous allez avoir tellement d'informations qu'on va pas pouvoir prendre beaucoup de questions, mais je vais suivre le chat et être très assidue. Je fais un gros bisou à la team des modérateurs. Ça va être votre soirée ce soir. Voilà, éclatez-vous. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement clivant, on le sait. Ça fait 6 ans que ça dure et à chaque fois, c'est comme ça. Donc, je vous demanderai à tous d'avoir l'esprit ouvert, de découvrir peut-être ce dossier ce soir. Si c'est le cas, allez sur Nuria TV. Vous allez avoir énormément d'émissions en compagnie de Thierry Jamin pour reprendre le dossier du début. Vous pouvez aussi aller sur le site Alien Project. Vous avez les liens juste sous la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les informations plus détaillées, les photos, tout ce qu'il vous faut pour aller plus loin. Et pour les anciens, vous êtes très bien là où vous êtes, installez-vous confortablement et on va démarrer. Exactement. Donc ce dossier des momies de Nazca, bah, nouveau rebondissement, puisque la semaine dernière, le 7 novembre, une nouvelle audience a eu lieu du côté du Congrès mexicain, avec tout un panel de chercheurs, de scientifiques qui sont venus présenter les résultats de leurs travaux sur ces momies. Comme l'a dit Nora, c'est un sujet de toute façon qui est clivant. Autant prévenir tout de suite, je sais très bien que certains d'entre vous qui ont déjà classé l'affaire du côté d'une falsification ne changeront pas d'avis. Et j'ai envie de vous dire, grand bien vous fasse, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ce soir, nous, on va approfondir le sujet. Je pense que nombreux d'entre vous verront qu'on a eu raison à la fin de cette émission. Mais encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut à partir du moment où c'est dans le respect. Avant d'accueillir notre invité, bah déjà, je voulais te dire deux grands remerciements. Un à notre invité de ce soir, Thierry Jamin, parce que depuis le début de cette histoire des momies de Nazca, il a toujours été ultra disponible, totalement transparent avec nous sur le contenu de ce dossier, et ça on tient à le préciser parce que voilà, c'est un point qu'on tient à mettre en avant et surtout mettre en avant l'honnêteté de Thierry et de son équipe. Et puis on voulait dire un grand merci aussi et faire un gros bisou à notre ami Alain Bonnet Oui. qui nous a fourni beaucoup de matériel pour préparer l'émission de ce soir parce qu'il y avait accès après ce congrès au Mexique. Donc Alain, un immense merci pour ton travail. Et ce qu'on vous propose avant d'accueillir Thierry sur l'antenne, c'est pour rentrer dans le sujet, une petite lecture du communiqué qui a été fait par les membres de l'université d'ICA. Rappelez-vous, si vous avez suivi le dossier depuis 2019 et grâce notamment au travail acharné de Thierry et de son équipe d'Incaré Cusco, des momies ont pu être transférées à l'université d'ICA. Nous, on a prêté beaucoup d'attention aux travaux parce que dans un cadre universitaire, il y a des règles assez strictes d'études qui sont mises en place, donc on attendait les résultats de ces travaux. Les chercheurs de l'université d'ICA ont fait un communiqué avant cette audience du 7 novembre, et je pense que pour mettre tout le monde au parfum, ça nous semblait important de vous faire une petite lecture de ce communiqué. C'est parti! Allez, go Guillaume, tu es sur le... tu es pas sur le bon Je vais y fichier. arriver. Et oui, j'ai mis le bidibu du mauvais côté. Voilà, j'en profite, je regarde le chat, je vous embrasse tous et je voulais vous répéter ce que je vous répète souvent sur la chaîne secondaire Lumière d'Étoile. Faites attention au CV des personnes qui vous parlent sur certains sujets et faites attention donc au CV des personnes dont vous allez parler ce soir en compagnie de Thierry. Donc voilà, très important. C'est Alors. parti, déjà, on commence par se communiquer. Lettre de l'Université de Ica Pérou concernant les corps desséchés de Nazca. L'Université nationale San Luis Gonzaga Ica Pérou, par l'intermédiaire de son équipe de recherche, souhaite s'adresser à la communauté scientifique nationale et internationale, ainsi qu'aux autorités et au public en général, pour informer sur notre travail d'étude concernant les corps déshydratés tridactyles présentant des caractéristiques à la fois humaines et reptiliennes. Ces corps, connus dans les médias sous le nom de momies de Nazca, ont été découverts dans les provinces de Palpa et Nazca dans le département d'Ica au Pérou. Avec le temps, cette découverte a gagné en notoriété dans les médias, suscitant controverses et débats. À cet égard, nous souhaitons clarifier et communiquer ce qui suit. 1. Le 1er août 2019, l'Université nationale San Luis Gonzaga UNSLG d'Ica Pérou a reçu 4 corps déshydratés présentant des caractéristiques humaines et reptiliennes. Ces spécimens ont été remis par le journaliste Jorge Israel Mantilla Carvajal, conformément à son droit de réserve et en vertu du principe de confidentialité de la source d'information, conformément à l'article 2, paragraphe 18 de la Constitution politique du Pérou. La remise de ces corps a été effectuée dans le but de leur conservation, de leur garde et de la réalisation de recherches visant à clarifier l'authenticité de ces spécimens déshydratés. 2.
Le corps de plus grande taille, que nous appelons Maria, présente une taille similaire à celle d'un être humain, mais avec des différences anatomiques notables, parmi lesquelles un crâne allongé et la présence de trois doigts, tant sur les mains que sur les pieds. L'analyse ostéologique des extrémités montre une harmonie et une congruence structurelle sans preuve de mutilation de phalanges, mais plutôt des séquelles inflammatoires dans la colonne dorsale et les pieds, sauf dans le cas du petit corps que nous avons nommé Wawita. 3. Les corps de plus petite taille, mesurant environ 60 cm de longueur, présentent une structure morphologique et anatomique qui diffère significativement de celle humaine. La peau présente des caractéristiques morphologiques et histologiques semblables à celles des reptiles, et les mains ainsi que les pieds sont tridactyles. Ils possèdent également des crânes volumineux et leur système osseux et articulaire se différencie nettement de l'anatomie humaine, montrant des traits et caractéristiques uniques et atypiques. Il est important de souligner qu'aucun élément rigide ou métallique d'union et de soutien n'a été trouvé dans les articulations de tout le corps en raison de la singularité de ces corps et des différences anatomiques et structurelles marquées. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre leur nature. 4. L'analyse métallurgique réalisée par microscopie électronique à balayage, MEB, d'un implant métallique pectoral a révélé une découverte importante. 2 points. Il a été déterminé que l'implant est composé d'un alliage de plusieurs métaux, l'osmium étant l'élément prédominant. Il est pertinent de souligner que l'osmium est un élément qui a été officiellement découvert par Simpson, Tennant et William Hyde Wollaston en 1803. En raison de ses propriétés électriques, l'osmium est utilisé dans la fabrication de certains dispositifs électroniques et dans la production de capteurs. De plus, l'étude microscopique par métallographie optique a révélé l'existence d'une matrice de microstructures avec microporosité et micro-inclusion dans l'implant. 5. Cependant, malgré les avancées qui semblent confirmer que ces corps sont réellement biologiques et la présence d'osmium dans un implant métallique, il est évident que des études plus approfondies sont nécessaires en raison des différences morphologiques et structurelles marquées qui ont été détectées par l'anatomie comparée. Par conséquent, il est important de souligner que ces résultats préliminaires ne sont pas concluants. 6. Durant la période de garde et de conservation des corps desséchés, notre équipe de recherche, principalement composée de médecins spécialistes, a fait face à de multiples obstacles et difficultés dans l'exécution et l'achèvement adéquat des recherches. Ces défis comprennent la pandémie, les limitations budgétaires, le manque de soutien institutionnel, l'absence de logistique, d'équipement et de technologies nécessaires, ainsi que des interférences juridiques de la part d'entités telles que le ministère de la Culture et le ministère public, entre autres. Malgré ces obstacles, nous avons réussi à mener des études d'imagerie basées sur des radiographies et des tomographies en utilisant des ressources fournies par les propres chercheurs et des études métallurgiques avec le soutien de l'Université nationale d'ingénierie, UNI. 7. Il est important de souligner qu'à aucun moment l'équipe de recherche n'a affirmé que ces corps appartenaient à des êtres extraterrestres. Au cours de nos recherches, le plus que nous puissions affirmer d'un point de vue scientifique est qu'il s'agit de corps biologiques d'origine inconnue qui ont existé dans le passé, mais qui ne sont pas humains. Notre approche repose sur une étude rigoureuse à la recherche de réponses dans le domaine de la science, sans faire d'affirmations spéculatives sur la nature de ces corps. 8. Il est important de souligner que depuis le début, aucun membre de l'équipe de recherche n'a été motivé par des intérêts médiatiques, politiques, économiques ou de toute autre nature. 9. Notre seule intention a été de mener des recherches scientifiques dans le but de déterminer de manière rigoureuse si les corps desséchés tridactyles d'aspect humanoïde sont authentiques ou falsifiés, s'ils sont d'origine biologique ou non, et de lever le voile sur le mystère qui entoure leur authenticité. Notre engagement a été celui de l'avancement des connaissances scientifiques et de la recherche de réponses objectives concernant ces spécimens. 10. Enfin, comme résultat de nos recherches, l'équipe de recherche est parvenue à la conclusion que les corps desséchés étudiés sont complètement authentiques d'un point de vue biologique et ne montrent aucun signe d'avoir été manipulés ou assemblés de quelque manière que ce soit. Notre approche scientifique a été rigoureuse et les résultats contribuent à l'authenticité de ces corps.
Lettre signée par 11 professeurs de l'Université San Luis Gonzaga de Ica, Pérou. Merci beaucoup, Nora, pour cette lecture. Donc, vous avez Je tenais à ce que ce soit bien posé. Et ça l'était, je te remercie. C'était la traduction donc, du communiqué de presse, du communiqué des professeurs de l'Université d'Ica. Ça nous semblait important de poser les bases. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, pour nous, on les attendait vraiment, ces résultats qui sont faits dans un cadre universitaire. Chacun en pensera ce qu'il veut, encore une fois. Moi, il me semble qu'on a là des choses assez factuelles en termes d'approche scientifique. Maintenant, on va accueillir notre invité, Thierry Jamin, sur l'antenne de Nuréa. Vous allez voir le nombre d'informations qui vont être présentées ce soir. Je pense que certains d'entre vous ne sont pas encore prêts. Nous ne l'étions pas en tout cas. On retrouve Thierry tout de suite sur Nuréa. Bonsoir Thierry, merci infiniment de nous rejoindre une nouvelle fois sur l'antenne de Nuréa TV. Merci. Eh bien, bonsoir Nora, bonsoir Guillaume, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, et en particulier pour cette affaire bien compliquée des momies non humaines de Nazca. Et je voudrais d'abord présenter mes excuses par rapport aux modérateurs. J'espère qu'ils ne vont pas se mettre en grève. Heureusement, ils ne font pas grève. Mais je pense que cette histoire des momies nous a beaucoup appris aussi sur la manière dont un dossier peut cliver. Et donc, il faut savoir passer au-dessus pour tracer son sillon et connaître la vérité. Oui, et puis je déconseille aussi aux détracteurs de s'attarder sur Nuréa TV ce soir, parce qu'ils vont saigner des oreilles au cours de la soirée. Et je pense effectivement que quand je dis certains ne sont pas prêts, ça inclut aussi certains qui pensent être de bonne foi en détractant le dossier, mais qui tombent selon moi dans une forme de croyance, et puis les idées restent figées, et on va voir ce soir qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent ébranler ces idées-là. Mais encore une fois, le but ne sera pas de convaincre, juste, et ça sera déjà beaucoup, d'informer ceux qui veulent suivre ce dossier et qui veulent des informations supplémentaires. Et comme on l'a dit, là il va y en avoir vraiment beaucoup. Je sais pas dans quel ordre on va présenter tout ça, ça va être même si on a préparé le dossier, il va y avoir de l'impro ce soir. Et Thierry, on compte sur toi pour nous amener un max d'informations, parce que cette audience du 7 novembre dernier au Congrès du Mexique, tu faisais partie des gens qui étaient présents à la tribune, qui se sont exprimés devant... C'était quoi d'ailleurs, des députés, des journalistes? Quel était le public lors de cette audience? Alors, il y avait à peu près 100 ou 200 journalistes, principalement. Il y avait le député Gutiérrez, le Luna, mexicain, qui organisait avec... Jaime Mossan, c'est la première audience du 12 septembre et cette deuxième du 7 novembre. Et puis, il y avait deux congressistes péruviens qui ont fait le voyage, un de la commission culture, un de la commission défense, pour voir ce qui allait se dire au cours de cette journée de mardi dernier. Et... Depuis deux mois, depuis le 12 septembre, il y a eu, je pense, un nouveau tournant dans l'affaire des momies. Lors de la première audience, j'étais assez remonté contre Jaime Mossan, qui avait exhibé deux corps de Nazca, qui ont été exfiltrés du Pérou. Et nous, on était ici à un carré totalement mis de côté, et je n'avais pas du tout apprécié cette façon de faire. Et je l'ai fait savoir, et Rémy s'est excusé, etc. Et
Nous avons organisé la deuxième audience ensemble avec beaucoup de spécialistes, puisque entre la première audience et la deuxième audience, ce sont pas moins de 16 experts qui sont intervenus sur le sujet de Nazca. Et je pense que, il faut insister sur la qualité professionnelle, la qualité académique des experts qui se sont exprimés, sachant que ils ont tous minimum le doctorat et des années et des années de pratiques professionnelles en médecine, en radiologie, en génétique, en métallurgie, en chimiochimie, etc. Donc, c'est vraiment la crème de la crème qui s'est consacrée à l'étude des momies. La dernière fois que on avait présenté les résultats, tu te souviens, Nora, tu étais au Pérou, c'était lors de la présentation des premiers résultats au Congrès de la République du Pérou. Ça fait 5 ans, presque jour pour jour. Et après cela, pour autant, certains chercheurs ont continué à explorer leur recherche, notamment en ce qui concerne l'ADN. Et après 5 ans de recherche et quelques années par rapport à l'UNICA, on peut apporter quelques réponses, quelques entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui permettent d'avoir quand même une idée désormais assez claire sur la fraude ou sur l'authenticité des fameuses momies. Voilà, je vais juste Je dire un t'en prie, truc, bien sûr. histoire de, parce que je vois un petit peu le chat. Ce dossier a été abordé par plein d'autres médias, sur plein d'autres réseaux sociaux. Tout le monde y est allé de son avis ou de son soi-disant, entre guillemets, débunkage. Et depuis le début, il y a eu même des débunkages de débunkage. Là, vous êtes avec en compagnie de Thierry Jamin, c'est la personne grâce à laquelle nous, on a découvert le sujet. Et merci Thierry pour ta transparence depuis le début et ton honnêteté depuis le début. J'ai eu la chance, grâce à toi, d'aller sur place, de les voir moi-même, de me rendre compte de ce que c'était. Donc, merci de m'avoir permis de vivre ça. Mais ça me permet aujourd'hui de vraiment, voilà, ressentir en plus les momies, savoir qui elles sont. Enfin, j'ai été vraiment proche. Et je suis une manuelle, je fabrique plein de choses. Je ne peux pas le faire en papier mâché. Ça ne se fait pas en 2 secondes. Et là, on va vous parler des résultats, des données, comme tu l'as précisé, partagées par des scientifiques avec un CV. Mais parfait pour ce dossier-là, c'est-à-dire que moi, quand j'ai une radio à me faire expliquer, je vais aller voir un spécialiste du dossier. Je vais pas aller voir, je sais pas qui d'autre, mon voisin ou autre. Donc là, vous avez la crème de la crème des informations sur ce dossier. Profitez vraiment de cette soirée. Je sais que vous êtes nombreux à être hyper contents d'être là, mais voilà, j'ai vu juste deux, trois petits commentaires par-ci par-là. Je tiens à préciser ceci. Excusez-moi, je vous en C'était une prie. précision qui n'était pas inutile. Vous êtes au bon endroit. Justement, ce soir, ce qu'on va faire, on va reprendre quelques extraits de cette conférence avec ce que nous ont présenté ces chercheurs, Thierry. Et comme ça, tu nous donneras des infos complémentaires, tu nous expliqueras qui sont ces gens. Et ce que je te propose, c'est qu'on diffuse un premier extrait. Pour démarrer, j'ai choisi le responsable de l'équipe qui travaille sur les corps des momies du côté de l'université d'Ica. Ce monsieur, il s'appelle Roger Zuniga Aviles. Qu'est-ce que déjà, toi, tu peux nous dire sur le profil de ce chercheur? Alors, Roger Zuniga, c'est le président de la commission chargée de l'étude des momies. Il est anthropologue et il est professeur à l'université d'Ica. Et Et donc, c'est lui donc, c'est lui avec Martine Alarcón, qui était vice-recteur, qui a pris la responsabilité de recevoir les 4 momies. En 2019 et de lancer toutes les recherches et les analyses pendant ces 4 dernières années. Ok. Merci pour cette précision. On voit un petit extrait. On se retrouve dans 5 minutes, les Nuréens. Señores y señoras, muy buenas tardes. Nosotros recibimos el día 1 de agosto del 2019, ¿no? 4
cuatro cuerpos, como ya dijeron, de un periodista, ¿no? Reservándose el derecho a no dar información de su fuente. A partir de esta época empezamos nosotros, con incredulidad por supuesto, a realizar Recording in progress. Las primeras investigaciones con la toma de muestras radiográficas. Estas primeras imágenes nos dieron como resultado de que estos cuerpos tenían indicios de ser reales, ¿no? Llevamos a Lima al estudio Quito para realizar las tomografías. Bueno, la lectura de las tomografías nos confirmaron de que se trataba de cuerpos, ¿no?, auténticos, de un cuerpo llamado Albert, al que tenemos en imágenes. Hicimos el examen de toda la parte superior, superficial del cuerpo, y no encontramos absolutamente ningún signo de haber sido manipulado. No hay junturas, no hay suturas, absolutamente nada, ¿no? El cuerpo es normal, la piel es completamente real, ¿no? Y más bien nos dimos cuenta de que el cuerpo era queratinizado, ¿no?, como de los reptiles. Nos dimos cuenta que la cabeza, igualmente alargada, como ustedes habrán visto, ¿no?, no tiene pabellón auricular, no tiene cabellera, ¿no? Los ojos son demasiadamente grandes para la cara, el tabique nasal pequeño, una boca pequeña, ¿no?, y luego toda la estructura del cuerpo completamente escuálido, con los que terminan en cuatro extremidades con tres dedos, ¿no?, en cada extremidad. Entonces, para descartar la posibilidad de que estos cuerpos habían sido armados, tomamos las muestras, pueden ver ustedes la cabeza, sacamos la muestra de la cabeza y luego nos dimos cuenta que en el momento de sacar la muestra de la cabeza para ver si era de llama o no, había algo que se movía dentro del cerebro, de la bóveda craneana, y aproximamos así esa ventana que ustedes pueden ver en la figura 3, ¿no?, y encontramos un cuerpo raro que parecía masa encefálica. Sacamos una muestra pequeña de esta y luego enviamos a México, que en los laboratorios de México han llegado a la conclusión de que son tejidos que no corresponden al tejido, o sea, al cerebro humano, tampoco de otros animales. Igualmente, sacamos la muestra de la parte del tórax, ¿no?, del costal derecho, y verán ustedes en las imágenes, en la imagen número 1, que al cortar esa parte encontramos un órgano, ¿no?, al parecer hígado. Igualmente se sacó una muestra, esa está en análisis todavía, ¿no? Y con esto nos dimos cuenta de que estos seres tienen masa encefálica y tienen órganos internos. La pregunta inmediatamente surge: ¿qué huaquero podría atreverse a crear un muñeco, a armar un muñeco con órganos internos? Es imposible. Si así fuera, seguramente estos órganos inmediatamente se deteriorarían por una serie de factores. Bien, asimismo, en el fémur derecho también hicimos unos cortes, sacamos las muestras, y estas tres muestras de la cabeza, del tórax y del fémur enviamos a una universidad amiga, una universidad muy prestigiosa en el Perú, la UNI, Universidad de Ingeniería, que tiene, bueno, pues, buenos laboratorios, buenos equipos para investigar y para ver de que si estos elementos, o mejor dicho, estas muestras, pertenecían a distintos seres. Resulta que el análisis bioquímico dio como resultado de que, ¿no?, las muestras pertenecían a un mismo individuo. Esto nos ha dado entonces la fortaleza de que se ha descartado por completo de que estos seres hayan sido armados. Igualmente, recurrimos a otro espécimen llamado Luisa. Este espécimen se caracteriza, ¿por qué?
por tener, ¿no?, huevos, a diferencia de los demás. Suponemos que es una hembra que estaba en plena reproducción, con la vientre abultada, en la que se ha visualizado, ¿no?, tres objetos que parecían huevos, y los detractores decían que estos eran piedras armadas, piedras de canto rodado, seleccionadas e introducidas, ¿no?, en la vientre del muñeco. Para descartar esta posibilidad, igualmente hicimos una muestra. Tomamos las muestras. Primero hicimos un agujero, un forado con los aparatos que utilizan los odontólogos. Sacamos la muestra, ahí pueden ver ustedes esa vientre abultada. Sacamos las muestras y enviamos igualmente a la Universidad de Ingeniería para ver si efectivamente se trataba, ¿no?, de elementos no animales, ¿no? Entonces, igualmente, los análisis nos han dado como resultado de que se trata, ¿no?, de elemento biológico. Se ha encontrado en los huevos embriones. Pueden ustedes ver en esas figuras, ¿no?, embriones. Es decir, estaba en pleno proceso de reproducción al momento, ¿no?, de su muerte. Voilà, donc là vous venez de découvrir un extrait, parce que ce soir on va pas diffuser toute la conférence. Vous avez un lien d'ailleurs sous la vidéo pour ceux qui voudraient voir l'intégralité avec la conférence en anglais. J'ai les Padawan curieux qu'on embrasse Ouais. et qui dit c'est fort quand même ce qu'il dit. Thierry prépare les diplômes du monsieur parce que certains vont vouloir dire qu'il n'est Tout à pas fait. cela ou ceci. Il a raison de le préciser, les Padawan. Qui vient de parler? Roger Zuniga, tu nous disais tout à l'heure, lui, il est anthropologue à l'université d'Ica. C'est le directeur du projet de recherche sur les momies. Est-ce qu'il y a d'autres infos à savoir sur ce monsieur avant qu'on parle un peu du contenu de son intervention? Ah, il est docteur, il est professeur d'anthropologie à l'université d'Ica. C'est-à-dire Donc. il a comment dire, la formation académique d'un universitaire au Pérou. Toute légitimité pour analyser et pour parler de ces corps. Rappelons qu'il fait partie de ces gens qui, depuis 2019, ont une partie des corps. Il parlait de quatre corps et qui ont travaillé dessus. Il a l'air relativement affirmatif dans ce qu'il dit. Pas de modification sur les corps. Rien qui lui semble anormal d'un point de vue de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un assemblage, justement, mais qu'on est dans un corps qui est d'une entité qui a vécu. D'un être vivant qui a eu une vie telle sous la forme qu'on a découvert avec ces momies, et tout un tas d'analyses qui viennent corroborer le fait qu'on a affaire à une seule entité vivante qui aujourd'hui est momifiée. Oui, il dit que la peau est normale et il explique qu'ils ont réalisé des prises d'échantillons au niveau de boîte crânienne dans une zone intercostale et sur le fémur. Et il explique également que lorsqu'ils ont fait les prélèvements dans la zone intercostale, ils ont retiré un peu par accident un organe qui, pense-t-il, peut correspondre au foie et qui est actuellement en cours d'analyse. Alors pour certains qui pensent qu'il ne s'agit que de poupées, etc., on confirme que ces êtres sont bien remplis d'organes et de vasculaires, etc., etc., desséchés. Un point Et important puis, qui précise sur ces organes, c'est que si on avait dû fabriquer ces momies et rajouter des organes dedans, ils se seraient détériorés de manière bien différente que là, les organes momifiés qu'on trouve à l'intérieur du corps, qui sont les organes originaux. tout à fait. Et l'analyse ADN des échantillons du crâne intercostal et du fémur confirme qu'il s'agit d'un même individu et non pas de l'assemblage de plusieurs animaux, d'os d'animaux ou humains épars, comme ça. Est-ce que ce n'est pas des analyses qui avaient déjà été faites sur la première salve, si je puis dire, d'analyse à l'époque,
au début du dossier, où je me souviens qu'on avait discuté de plusieurs échantillons pris à diverses parties d'un corps unique. Est-ce que tu te souviens de ces Non. analyses? Oui, Ou ça, faire... tu fais ces premiers prélèvements, c'était sur Maria. Et les trois dont on parle sur Albert ont été réalisés en février 2021, D'accord. donc assez récemment. Et par ailleurs, ils ont réussi à récupérer une entité qui ressemble à Josefina, qui a été baptisée Louisa en hommage à l'université Saint-Louis Gonzaga, et qui a également trois œufs. Et dans les œufs, ils ont fait une poration pour savoir si c'était des boules de golf, comme certains le prétendent, ou s'il s'agit de bois ou de véritables œufs. Et donc, ils ont confirmé qu'il s'agit bien d'œufs calcifiés, avec à l'intérieur des formes embryonnaires que l'on peut voir aux tomographies. Ça aussi, c'est extrêmement Et puis important. ensuite. À l'époque, certains prétendaient qu'on avait affaire à des formes minérales. Je me souviens que lors des auditions au Congrès mexicain, donc en 2018, c'est un scientifique russe qui avait déjà avancé le fait qu'on avait des embryons à l'intérieur et qu'on devinait des formes d'embryons sur certains examens. Tout à fait, et on verra plus en avant que certains experts qui sont intervenus mardi dernier ont fait des découvertes extraordinaires par rapport à ces œufs. Mais on n'anticipe pas et on y reviendra tout à On l'heure. va en parler, Ce on va essayer de faire le tour. y a Damien qui disait justement pourquoi ne pas ouvrir un œuf? Juste un. On est sur du matériel précieux, il faut y aller avec Oui, mais parcimonie pour les échantillons. Mais ils ont Damien n'a pas ouvert un tout. œuf. Non, mais ils ont ouvert un œuf, justement, l'un des trois œufs de Louisa, et ils ont confirmé que c'était bien du biologique et que la coquille était bien calcifiée. Et alors, ça, c'est pareil, la matière organique est en cours d'analyse. Là, ce qui a été lu, là, le document de l'UNICA, c'est un rapport préliminaire. Hein, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les recherches, les analyses continuent. Et un point également très important de Roger Zuniga qui a été soulevé, c'est la découverte sur le plastron de Louisa, la présence d'osmium, Oui, faut... alors qui a laissé Baba un peu. Ah, on a une Ah coupe. non, on a loupé, on n'a plus ton son. On a... Au Attends, moment, on a une la coupure de présence son. d'osmium, est-ce qui? On a une coupure de son, Thierry. Alors, attends, je passe ça sur nous. Alors, ça, c'est... Au Voilà. moment où il faut pas. Ne parlons pas d'osmium. Donc. Thierry, je te rappelle tout de suite, je vais raccrocher, te rappeler, en espérant que ça règle ce problème de son, parce que là, on est sur un truc bien embêtant. Oui, encore des vidéos à partager. Remarque, il y a beaucoup d'informations quand même qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de documents, de témoignages de différents chercheurs qui vous seront partagés ce soir. C'est loin d'être terminé. C'est Oh que oui. le début. Là, on commence. On commence avec cette information. Et effectivement, si des chercheurs ont gardé ces momies pendant 5 ans et travaillent dessus et disent encore aujourd'hui qu'ils souhaitent continuer leurs travaux là-dessus et leurs recherches, je suppose qu'avec le CV qu'ils ont, ils n'ont pas de temps à perdre. Vraiment. Donc. Thierry, alors est-ce que je t'entends à nouveau? Oui, est-ce que vous Oui, m'entendez? eh ben c'est bon, le son est revenu. Donc si ça se représente, on refera la même manipulation. De toute façon, nous irons jusqu'au bout de cette émission. L'information doit être transmise aujourd'hui. Ça me semble Exactement. important. Donc tu Oui, parlais alors je. de ces plaques sur lesquelles on a retrouvé ce matériau rare et précieux, l'osmium. Voilà, l'université d'ICA a travaillé main dans la main avec l'Université nationale d'ingénierie de Lima, qui s'est intéressée à certains aspects particuliers des momies, dont les plaques de métal. Et ils ont été assez surpris de découvrir la présence d'osmium. L'osmium qui est l'un des métaux les plus rares de la planète et les plus chers,
ont été découverts en 1803, mais qui sont restés comme ça sur la table publique pendant près d'un siècle, plus d'un siècle même, 150 ans, jusqu'à ce que l'on découvre une utilité de l'osmium dans les télécommunications et toutes les technologies spatiales. On en retrouve dans les satellites, notamment. Voilà, et Et là, ils l'ont sur eux, c'est un. en plastron. Avec qui ils parlaient? Voilà, alors que fait l'osmium dans une plaque métallique d'un corps préhispanique, quoi, qui a 1000 ou plus années? C'est assez énigmatique. Et ça va dans le sens de l'authenticité des momies, parce que on imagine mal Mario ou quelque Wakero que ce soit mettre de l'osmium sur une plaque de métal, et Ben sachant oui. qu'on va éventuellement le découvrir ou pas, et sachant que le gramme d'osmium coûte 1 800 $. Et Ouais. donc, C'est pas très rentable. connaissant Mario, il aurait directement vendu son osmium au marché international des métaux rares. Et puis, l'autre question, c'est comment extraire l'osmium? Parce qu'on ne le trouve que dans des alliages de platine. Ça voudrait dire que Mario est tombé sur une mine de platine pour pouvoir y extraire l'osmium. Donc c'est assez déroutant. Et ça a été une grande découverte. Entre parenthèses, on a également trouvé des traces d'osmium sur la momie Artemis dont on parlera tout à l'heure et qui a 7 plaques de métal. Tout à fait. Là, on parlait de ces plaques de métal. Tout à l'heure, avant le début de l'émission, tu nous communiquais une info sur la composition et certaines études qui ont été faites, notamment sur la présence d'argent sur certains des métaux qu'on trouve sur les corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus dès à présent? Alors il y a l'Institut Polytechnique National de Mexico qui a travaillé sur la momie Clara. La momie Clara, c'est l'une des deux momies qui a été présentée à l'audience du Mexique le 12 septembre dernier. Et ils ont donc. Je lis mes notes parce que je ne voudrais Vas-y, pas je oublier. t'en prie. Encore une fois, il y a tellement d'informations. Et rappelons que toi, tu n'es pas chercheur dans ces sciences-là. Donc, il faut. Et donc, Clara a une plaque sur la partie supérieure du thorax, et ils ont découvert qu'elle était composée à plus de 95% d'argent, et que c'était totalement, comment dire, totalement anachronique, puisque l'argent, à l'époque des Nazca, on le trouve. Toujours mélangé avec soit du cuivre, soit de l'or, etc. Mais un degré aussi élevé de pureté, ça veut dire un traitement moderne du minerai. Et ça a été une assez grande surprise et une analyse qui est sortie le 25 octobre dernier, justement. Il est donc permis de penser que cette plaque en métal presque pur, devait avoir une utilité technologique. C'est une hypothèse qui a été émise par les ingénieurs de l'Institut Polytechnique National. Et d'autant plus que dans cette plaque, on a aussi trouvé du silicium associé à de l'argent. Et donc, d'où l'hypothèse d'un usage technologique. On a trouvé également sur cette plaque la présence de chlorure d'argent. Il s'agit d'un composant chimique qui est toxique pour l'espèce humaine. Et donc le fait de retrouver cet élément dans une plaque fixée sur le thorax de Clara montre que cet objet n'était pas destiné à l'homme, mais car il aurait provoqué une forte intoxication. C'est ce qu'il nous explique à l'Institut Polytechnique. À la différence du titanium, par exemple, que l'on peut. Qu'on utilise pour des prothèses. Voilà, prothèse dentaire, prothèse de hanche, etc.
Alors que dans le cas de l'argent, c'est différent. L'argent, on a découvert que c'était l'un des métaux les plus conducteurs d'électricité. Et voilà, c'est à peu près ce que nous a dit l'Institut Polytechnique. C'est un résultat également qui a été diffusé et prêté à la deuxième audience mardi dernier. Tu parlais il y a quelques minutes de l'argent et du fait que à l'époque où on date les momies, parce que les momies, on est toujours d'accord qu'elles se situent, la datation, autour de 1700 ans avant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont 1700 d'âge à peu près. Maria a 1750-1800 ans et les petits de type reptilien ont 1100 ans, pour D'accord. un peu plus récent dans l'échelle du temps. Mais Donc on parle quand même de. une époque où on ne travaillait pas l'argent sous la forme qu'on l'a découvert sur ces plaques, c'est-à-dire dans une concentration de 95%. Non, 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 ça c'est vraiment le traitement de l'argent. C'est moderne, hein, c'est un traitement moderne. Et on a été, enfin, ils ont été étonnés de trouver une telle concentration, une telle pureté dans la plaque de Clara. Voilà. On va, ce soir, encore une fois, il y a beaucoup de faits relativement, alors même pas relativement, totalement objectifs qui vont être présentés, qui permettront encore une fois à tout un chacun de se faire son opinion sur. Je vois le chat défiler, je vois les pour, les contre. J'ai envie de vous dire, les amis, le sujet n'est plus d'être pour ou contre. Si vous êtes vraiment fermé au sujet, vous faites du mal. Pour les autres, ça va être essayer de comprendre. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va ouvrir une porte, derrière, il y en a deux, mais ça, on commence à avoir l'habitude. Donc les portes et les questions vont se multiplier. Je te propose, Cyril, qu'on découvre un deuxième extrait de ces audiences. Cette fois-ci, c'est le docteur Mendoza Vizareta, qui lui aussi est membre de l'université d'Ica, un scientifique péruvien. Docteur Mendoza, de ce que moi j'en sais, c'est un médecin radiologue à la retraite. Donc radiologue déjà, ça implique des compétences pour ce qui est de l'analyse des radiologies qui ont été effectuées sur les corps. Et il est professeur de médecine à l'université d'Ica. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer sur ce monsieur? Alors, il est ancien professeur de l'université d'Ica. C'est un monsieur qui a 92 ans et donc qui a plus de 50 ans de carrière professionnelle. Il exerce encore malgré son âge canonique et donc des radios, des tomographies, il sait ce que c'est. Il sait donc les interpréter. Très bien. Eh bien, je vous propose que nous découvrions un deuxième extrait vidéo et on écoute le docteur Mendoza. Es un espécimen desconocido que tiene una cabeza pequeña, una columna cervical pequeña, su columna cérvico-dorsal, su pelvis y unos cuerpos extraños en la cavidad pelviana. Unos apéndices en la parte dorsal, cérvico-dorsal, que parecen que son aletas. Y indudablemente los huesos largos presentan al centro que corresponde a la médula ósea. Ustedes saben que la médula ósea es la fábrica de los elementos figurados de la sangre, los productores de los eritrocitos que van a formar los glóbulos rojos. Indudablemente este espécimen ha sido un ser biológico que ha vivido con toda seguridad. Por otro lado, esas extremidades tienen articulaciones y puedo ver desde acá que tienen tres dedos también. Es un espécimen que ha vivido, ser biológico, y esos cuerpos extraños que ya por las tomografías han dicho que corresponden a huevos, pero yo solamente viendo la radiografía simple puedo decir que ahí hay unos cuerpos extraños, radioopacos, de formas ovoides, de contornos bien definidos, nada más. Ese es el espécimen que me llevaron y del cual yo tomé las radiografías.
En este espécimen, en los miembros superiores e inferiores, hay médula, es decir, que correspondía a un ser vivo. Esa es su cabeza de Albert, su bóveda y su base y su cuello. También tiene un segmento tóraco abdominal en forma de tonel. Las extremidades similares a la anterior. También tiene tres dedos. Este es otro elemento que le llaman Victoria Bautizar, decapitada. Los huesos largos, también ustedes pueden ver con precisión que tiene médula, o sea, ha sido un ser vivo. Este es el espécimen que le han bautizado como María. Tiene su cabeza grande, parte de su cuello y sus extremidades superiores, tres dedos. En la columna hay unos, en la columna dorsal, en D4, D7 y L1 hay lesiones. O sea que nosotros podemos presumir que este espécimen ha tenido enfermedades probablemente inflamatorias. Y dentro de las enfermedades inflamatorias, la que vemos actualmente en la vida moderna es la tuberculosis. Sus pies y tres dedos, cada dedo con tres falanges. Ahí entre la articulación metatarsofalángica hay unas lesiones, al parecer consecuencias de procesos inflamatorios crónicos. Para terminar, quiero mostrarles esta imagen. En la década de 70, 80, me llevaron al servicio de radiología cuando yo trabajaba en un hospital a una señora que tenía más o menos 40 años. Fue a una consulta externa y el médico que la observó estaba tejiendo y tenía solamente tres dedos. Me la llevó a rayos X, yo le tomé las radiografías y ahí están las radiografías. Eso es una radiografía moderna, tomada en la década de 70, 80 más o menos. Muchas gracias. Voilà, donc on vient de découvrir une partie de l'intervention du docteur Mendoza, où il présente lui aussi plusieurs éléments. Le premier que j'ai compris, à vrai dire, c'est pas l'intervention qui m'a le plus marqué dans le sens d'éléments de preuve irréfutables, mais il avance quand même des éléments importants. Déjà, il parle de l'intérieur des os et de la présence de matière... De moelle. De moelle, exactement, qui moelle qui sert à la création des globules rouges, etc. Et il avance cet argument-là pour dire que on a affaire à des corps qui ont été vivants. Oui, c'est une espèce qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, et il y a plusieurs exemplaires de ces spécimens. Celui-ci a été baptisé Suyai, c'est-à-dire Espérance en quechua. Et il mesure 36,35 cm. Donc il est assez petit, plus petit que les momies reptiliennes. Et c'est un ensemble assez déroutant, parce qu'il n'a pas de poumons, pas de cage thoracique, pas de cœur. Et au niveau de la... Pas de mandibule. Et au niveau de la du crâne, c'est assez... La partie supérieure semble ne pas être entièrement fermée. On a l'impression qu'il y a des éoles sur la partie supérieure du crâne avec des formes géométriques qui, moi, m'évoquent un peu des insectes, des choses comme ça. Et alors... Jaime Mossan a fait la comparaison de la salamandre, par exemple, parce que la salamandre n'a pas de poumons et respire par la peau. Il y a même une espèce de tortue qui respire par l'anus, donc qui n'a pas de poumons. Mais moi, c'est
un spécimen qui me rappelle un petit peu à un insecte, quoi. Quelque chose d'insectoïde. Les insectes, par exemple, n'ont pas de poumons. Ils respirent avec d'autres systèmes dans le corps, quoi. Ils n'ont pas de cœur également, comme les vertébrés. Ils ont des systèmes musculaires différents. Et je pense que c'est pareil. Ils n'ont pas un cerveau de type mammifère. Et la boîte crânienne de cette espèce est assez déroutante parce que quand on regarde à l'intérieur, il n'y a pas l'espace pour une masse crânienne comme les mammifères. Alors, on sait que ce n'est pas un mammifère puisqu'il y a quatre œufs et je pense que il faut avancer dans les recherches. Encore une fois, c'est une momie que Jaime et Joyce ont découvert il y a 3 semaines. Une semaine à peine avant la deuxième audience. Et donc, il faut faire de nouvelles analyses et on a fortement déconseillé à Raimé de la montrer lors de la deuxième audience. Lui, il voulait mettre plus d'ampleur lors de la deuxième audience et il est resté raisonnable avec le docteur Mendoza, mais son idée originale de Jaime, c'était de montrer plus de choses. Mais on a Oui. besoin d'en savoir davantage. Avant de se prononcer, est-ce que ce spécimen-là est aujourd'hui entre les murs de l'université d'Ica où il fait partie des momies qui seront étudiées dans le cadre de l'université? Oui, d'après ce que je sais, la momie est actuellement à l'UNICA et mais on sait aussi qu'il y a plusieurs exemplaires identiques à Souillay. D'accord. Et donc là, c'est pareil, c'est en cours d'analyse. Et pour moi, c'est l'ADN qui doit parler en définitive pour savoir si c'est un assemblage ou si c'est un spécimen authentique. Oui, chaque corps doit être pris de manière distincte des autres et refaire les analyses à zéro pour déterminer de l'authenticité organique et uniforme du corps. Ouais. Mais même la plupart des chercheurs qui sont intervenus à la seconde audience se sont intéressés à ce spécimen et la plupart, enfin, pour ne pas dire tous, pensent que c'est authentique. Mais il faut savoir l'ADN, au-delà de déterminer si c'est authentique ou si c'est fake, essayer de comprendre sa manière de vivre sur Terre. Est-ce qu'il avait des ailes déjà? Parce que les deux os qu'on voit sortir de la colonne sous les bras, on peut imaginer, on peut vite extrapoler sur le fait qu'on a affaire à une espèce ailée. Mais là, je vais peut-être un petit peu vite en besogne et déjà prouvons qu'on a affaire à un véritable être vivant. Tout à fait, ça pourrait mettre des proto-ailes, c'est-à-dire pas des ailes complètes, mais par exemple qui les aidaient à sauter ou à se déplacer pour donner une impulsion. Il y a plein d'hypothèses possibles. Et donc, c'est les analyses qui vont venir là, dans les semaines et les mois qui viennent. Juste, je reviens. Dis-nous tout, Il Nora. y a Damien qui dit Nora, elles se font la poire. Mais parce que moi, j'ai une équipe d'analystes sur le Ah, chat mais il y a des très bons et en commentaire. Je pense que vous devriez tous passer des doctorats pour certains. Ah, mais moi, je veux cette équipe, tu vois. Je travaille avec Si je dois être opéré, je veux que ça soit vous, les gars. Il y a Laurent qui disait bah, peut-être qu'il respire par la nuque. Mais c'est ce que disait Thierry tout à Ah, l'heure. mais d'accord, je pensais que Ah, en c'était une plus, blague, j'avais pas entendu. et en plus, tu te moques des. Pardon, Non. c'est très sérieux, Laurent, Mais excuse-moi. pour revenir à quelque chose de plus sérieux, Thierry. Même si tes Ouais. blagues me font du bien, Nora. Est-ce que ce monsieur, ce professeur Mendoza, puisqu'on a vu qu'il était radiologue, là on a vu un petit extrait où il présente brièvement les corps et il nous donne quelques notes sur ces corps, est-ce qu'il est revenu de manière globale, lui, sur la manière dont les squelettes étaient assemblés ou authentiques et organiques? On a examiné ensemble avec tous les experts à Mexico les DICOM,
c'est-à-dire les scanners très précis de cet exemplaire, la jonction du cou avec le crâne ou la jonction des ailes paraît totalement authentique. Il n'y a pas de trace de manipulation. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Alors, on a retenu l'intervention de Daniel Mendoza par rapport à ce spécimen, mais d'autres chercheurs comme David Ruiz se sont prononcés également au cours de l'audience par rapport à ce spécimen. Et ils sont convaincus qu'il s'agit d'un véritable spécimen. Mais alors, On va justement découvrir l'intervention de David Ruiz, encore une fois un extrait. Tu parlais que vous êtes réunis et que vous avez pu échanger tous autour de ces matériaux d'analyse, en l'occurrence là des DICOM, c'est une sorte de scanner. Est-ce que ça s'était fait en off, c'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont pas été dévoilées publiquement, ces réunions, et qu'est-ce qu'il en est sorti? Je sais, tout à l'heure, tu m'as déjà dit que pour beaucoup de scientifiques qui étaient présents, la surprise a été de découvrir les travaux des autres et de voir que tout fonctionnait ensemble et que toutes ces analyses se complétaient mais ne se contredisaient pas et apportaient des informations supplémentaires aux uns et aux autres. Alors les réunions qu'on a eues, c'était en off, c'était avant le 7 novembre, et pour pouvoir avoir une opinion sur ce spécimen qui, encore une fois, a été découvert par Mario. Mario, je ne sais pas depuis combien de temps il l'avait, mais nous, on a pu le voir à peine 2 semaines avant la deuxième audience. Et tout le monde était assez intrigué par ce spécimen et tous convaincus de son authenticité. Il n'y a pas d'indice de fraude. Merci pour les précisions. Je vois un commentaire d'Alexia qui nous dit, alors elle cite un autre média qui réfute tout et elle dit Nuria qui croit tout, ça fait un équilibre. Alors oui, on peut nous présenter comme le média qui croit aveuglément à ce dossier des momies de Nazca. Il me semble que c'est pas le cas, mais encore une fois, là, on est en train de s'appuyer sur des scientifiques qui ont étudié les momies, qui n'ont pas vu des photos ou des radios de loin. On est sur les gens qui sont au cœur de l'action et avec les compétences pour. C'est pas pour rien que tout au long de la soirée, on vous présente les CV et les titres de chacun de ces chercheurs. On n'a pas affaire à votre médecin spécialiste ou à votre ostéopathe qui a vu la radio d'une momie. Oui, et on n'est pas sur la croyance, en fait. Là, on a des connaissances du savoir qui nous sont partagées. Donc après, si vous avez envie de croire ou pas croire, c'est vous qui voyez. Il y a des scientifiques qui croient en telle ou telle chose ou qui croient simplement leur projet. Ça dépend ce que vous mettez derrière le mot croyance. Mais là, on est sur un partage de connaissances. Et comme tu l'avais dit, on en avait parlé hors antenne. Et c'est vrai que depuis le départ de Nuria TV sur ce dossier-là, on est ouvert à toute possibilité. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une émission ce soir où Thierry, tu serais venu nous dire, ah bah finalement, il n'y a rien d'authentique. Après 4 ans d'études, 5 ans d'études, il n'y a rien d'authentique. Et voilà. Bah alors pourquoi ça a été fait il y a 1000 ans? Tu sais, on serait parti sur d'autres questionnements. Et là, il y a des momies authentiques. Donc bah, pourquoi elles sont là? En fait, on aurait pu aller dans tous les sens. Tout est passionnant sur ce sujet. Ouais, et j'ai envie de vous dire, des sujets inexpliqués, il y en a Ah, on suffisamment en a des pour qu'on tonnes. n'ait pas à courir après des momies si on avait des suspicions sur. On a eu des questions comme tout le monde, et on en a encore énormément, et je sais que Thierry, c'est toujours ton cas, mais là, je crois que les éléments qui sont en train d'arriver et ces derniers éléments sont en train de clore pour ce qui nous concerne une question, faut-il s'intéresser à ces momies de manière sérieuse? Pour nous, la réponse est absolument Oui. oui. Voilà. On C'est n'ira que le pas plus début, loin. en fait. D'ailleurs, la NASA a contacté l'UNICA après la première audience pour avoir accès au matériel biologique afin de faire également des études. Je pense que si Oui. c'était un gros fake, comme le disent certains, la NASA ne se donnerait pas la peine de se mettre en rapport avec l'UNICA. Bah, Et merci de nous partager cette information. Et il me semble aussi que la NASA, enfin, il me semble, c'est sûr, en conférence de presse, ils ont répondu publiquement qu'ils souhaitaient que beaucoup plus de scientifiques se penchent sur ce dossier-là. Donc, ça, c'était la version publique. Je voudrais dire qu'il y a une grande université américaine qui est en train de s'associer à l'Institut Incarie pour étudier les momies. Et 2 universités européennes. Je donne pas les noms parce C'est que je très veux bien. leur éviter un problème. Si on peut leur Mais éviter on d'avoir à gérer des commentaires et des chats comme sur Nura TV sur ce dossier, on va les laisser tranquilles.
On peut vous Voilà. expliquer simplement pourquoi ça, parce que ça, on parle d'honnêteté depuis le départ, et il se trouve qu'au tout début, il y a 5 ans, je me souviens, Thierry, par honnêteté, tu avais partagé certains noms de laboratoires que tu prévoyais de contacter. Eh bien, certains petits malins ont décidé d'appeler les labos pour les menacer de même, ne serait-ce que étudier les données. Moi, c'est un truc qui me rend dingue. Ah ouais. C'est-à-dire, Le coup de gueule du ah soir. oui, mais le coup. Allons-y. Parce que, à la limite, t'y crois pas. Donc, la croyance, ok, on voudrait juste savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Et certaines personnes empêchaient même les enquêtes de se mener. Pourquoi? J'en sais rien. C'est complètement fou. Voilà, il fallait que Voilà, ça sorte. c'est sorti. Voilà. On peut aussi parler d'un paléontologue, Cliff Miles, qui vit en Utah, qui a 40 ans de carrière. Il a créé le plus grand musée paléontologique des États-Unis. Il travaille sur l'affaire de Nazca. Il est venu à Cusco avec son équipe il y a quelques mois, en juin et juillet. Et il est absolument convaincu. Il a fait un rapport détaillé sur l'affaire de Nazca. Il a vu comment les momies avaient été traitées dans le cadre d'un processus de momification, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu une résine, un peu comme le natron chez les Égyptiens, plusieurs couches de résine. Et dans certains cas, on voit même la résine couler, on voit les traces de l'écoulement de cette résine, notamment sur Roséfina. Et ensuite, ils ont appliqué la diatomée. Et cette personne, il a une trajectoire professionnelle impeccable, Clifford Miles, hein, les détracteurs peuvent le chercher s'ils veulent. Et il est convaincu de l'affaire. Et voilà, Ben, ce que je te propose, C'est Thierry, déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Alain a eu la gentillesse de nous envoyer une courte vidéo concernant Clifford Miles, qui va reprendre une partie de ce que tu nous as présenté, mais avec d'autres infos. Donc je te propose qu'on la regarde tout de suite et on verra après pour les autres chercheurs. On vous laisse découvrir. Donc ce n'est pas une interview de Clifford Miles, mais vous allez avoir les infos qui le concernent. C'est parti. Antes de dejar la palabra a los especialistas que han venido aquí para presentar sus valiosos trabajos de análisis y sus conclusiones, quisiera hablar rápido de un paleontólogo de Estados Unidos, hoy día retirado, pero con una trayectoria muy importante. Se trata del doctor Cliff Miles. En Estados Unidos, por ejemplo, ha creado uno de los museos de paleontología más importantes del país y tiene muchas publicaciones científicas de muy alto nivel. Y se interesa mucho a este caso de las momias. Ha estudiado varios de los especímenes. Y aquí sus últimas conclusiones. En primer lugar, dice Cliff, son momias auténticas y han sufrido un proceso de momificación. Sus cuerpos fueron sometidos al menos a dos tipos de baños, con el fin de conservarlos mejor. El primero era una especie de resina. Josefina tiene claramente partículas en la aplicación de resina. Paul tiene claramente líneas de goteo, así como una zona en la que la primera aplicación no cubrió su piel. La tierra de diatomea fue la segunda aplicación del proceso de momificación, etc., etc. Nous voilà de retour sur l'antenne. Vous avez pu découvrir quelques infos autour de Cliff. Comment tu dis, Cliff? Miles, Cliff Miles, ça veut il y dire en a. Miller. Clifford Miles. Clifford Miles, voilà. Et il a donc 30 ou 40 ans de carrière. Il a des publications scientifiques à ne savoir qu'en faire. Et donc, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la paléontologie. Il sait ce que c'est que les os. Il sait comment on nettoie. Des momies, etc., parce qu'il en a
nettoyer un grand nombre, etc. Et lui, il est également convaincu de l'authenticité de cette affaire. Toi qui as eu la chance de côtoyer à travers déjà les années précédentes lors lors des présentations, on en reparlera d'ailleurs peut-être des scientifiques qu'on a découverts en 2018-2019, qu'on ne retrouve pas forcément là sur l'estrade pour présenter leurs travaux, mais à travers toutes les rencontres de scientifiques, est-ce qu'il y en a parmi eux qui espèrent un jour pouvoir publier ce qu'on appelle des articles dans des revues scientifiques? C'est-à-dire faire valider en gros de manière consensuelle leurs travaux par leur pair. Alors, Cliff Miles prépare un article pour une revue scientifique. Il y a José de la Cruz, qui, le biologiste, qui aimerait effectivement publier quelque chose par rapport aux recherches qu'il a fait sur les momies. Et je pense que ça viendra en son temps. On sait que d'où l'on part avec toutes ces polémiques et ces controverses. Mais depuis le 12 septembre, je sens qu'il y a eu un changement dans l'attitude de certains milieux académiques qui regardent cette affaire avec beaucoup plus d'intérêt. Donc ça peut ouvrir le champ à de nouveaux chercheurs avec plus de moyens. On l'a dit tout à l'heure dans le, enfin on aura la lue sur le communiqué de l'UNICA. Il y a eu la pandémie qui les a bloqués. Il y a forcément les autorités. Peut-être on sera amené à parler du ministère de la Culture au Pérou, mais il y a aussi le manque de moyens. Les universités péruviennes sont dotées d'excellents chercheurs, mais en termes de matériel, il y a certaines choses qui sont limitées. Tout à fait. Et ce que je voudrais dire également, c'est que tous les chercheurs qui ont fait l'effort de venir à Cusco ou à Ica pour étudier directement les momies ont tous conclu à leur authenticité. À la différence des pseudo-scientifiques ou spécialistes du web qui se sont fait des opinions au travers de vidéos parfois de mauvaise qualité et qui en 5 minutes ont déclaré qu'il s'agissait d'une imposture. Et Aucun puis, je scientifique. voudrais. Oui, je t'en prie, vas-y, finis. Non, et je voudrais aussi insister sur le fait que tous les scientifiques qui sont venus, ils s'annoncent avec leur nom, avec leur titre, leur qualité professionnelle, quand la plupart des détracteurs agissent dans l'anonymat. Et je pense que c'est aussi une grande différence. Tout à fait. Oui, je voulais te demander, aucun des scientifiques qui n'a eu accès au corps n'a invalidé leur authenticité. Non, alors il y a Steve Mera, alors qui n'est pas scientifique, mais qui était venu en 2017. Ils avaient récupéré des échantillons. Et je les avais rencontrés avec leur boîte de prod à Paris. Et ils m'avaient demandé une exclusivité sur cette affaire que je leur avais refusée. Et alors ils se sont totalement retournés pour dire que c'était faux. Mais Ça me ils ont rappelle d'autres fait. histoires avec des médias, ça, que je ne citerai pas. Oui. Moi, c'est pareil. Mais alors c'est assez. On reparlera de ça tout à l'heure. Lorsqu'on abordera l'ADN, les résultats d'ADN, parce ils ont quelque chose à voir avec les résultats Genetech à Sri Lanka qui avaient été commandés par Steve Mera et leur boîte de prod, justement. D'accord. Et dont les résultats étaient assez curieux et qui ont apparemment été confirmés par les dernières analyses ADN. D'accord. Bah. Qui sont révolutionnaires, hein, qui sont incroyables. On sera amené à en reparler. Ce que je te propose, qu'on poursuit notre découverte des interventions de cette fameuse audience au Mexique. Et cette fois-ci, Ouais. c'est le docteur. Bougez pas que je vous trouve une petite photo. C'est toujours mieux de mettre un visage sur un nom. Le voici, le docteur David Willy Ruiz Vela. Là aussi, avant qu'on ne diffuse son extrait, moi, des infos que j'ai, donc ce monsieur, il est chirurgien plastique, il fait de la médecine légale,
C'est aussi l'ancien président de la faculté de médecine du Pérou. Et pour couronner le tout, il est membre de l'Académie des sciences de New York. Donc là aussi, on n'a pas affaire à n'importe qui dans la communauté scientifique. Oui, il est aussi spécialiste en réparation des mains. Donc il connaît très bien comment fonctionnent les tendons, les muscles, les os des mains. Et il est aussi spécialiste en microchirurgie. Donc pour détecter des interventions, des fakes, des assemblages d'os, etc., il n'y a pas mieux. Hein, il est vraiment, je voudrais vraiment que les internautes et notamment les détracteurs ou les sceptiques, les vrais sceptiques, se posent la question. C'est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est un grand professionnel qui connaît bien son métier. Toujours important de le préciser. On découvre tout de suite une petite partie de l'intervention de David Will Ruiz Vela. Maestro, ¿estos cuerpos se pueden construir? No, no hay ninguna evidencia de intervención. No, pero digamos que yo quiero hacer uno. ¿Lo no, puedo hacer? No. ¿Hay tecnología? Usted ni nadie. ¿Eh? Usted ni nadie, porque con toda seriedad le digo, lo hemos revisado con decenas de colegas radiólogos en mi país, y entonces yo le digo, oiga, ya no. ¿Y qué tal si la inteligencia artificial lo podía hacer, las imágenes? ¿No? ¿Se puede acercar más? ¿Qué tal si la inteligencia artificial podría hacer la imagen? Y los colegas me dicen, bueno, podría, ¿no? Pero el cuerpo que estamos viendo, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, y además, obviamente, hemos visto la toma tomográfica, ¿no? Yo le escuché decir que ni con millones de dólares se podría construir algo así. Sí, porque en realidad, cuando operamos, yo, bueno, para la audiencia no sabe que también soy cirujano y cirujano plástico, y hacemos reconstrucción, he hecho mucha microcirugía y mucha cirugía de mano. Estaba hablando del siglo pasado, ¿no? Pero siempre hay se ve tomográficamente la manipulación ósea. Siempre se ve, siempre huella. Incluso yo haya retirado el fragmento de contención que utilicé para la cirugía. Y acá no hay ni esos rasgos. Eso es evidente. O sea, las personas que dicen que esto es armado, porque en todo el mundo dijeron que este caso ya se había solucionado, que se había demostrado que eran seres que habían sido hechos. Bueno, primero que extrapolaron un muñeco que obviamente era ridículamente, grotescamente falso, y desde mi teoría es una extrapolación torpe y pueril, ¿no? O sea, no se puede. No se puede hacer. Hasta quienes afirman que son armados no saben lo que están hablando. Sí, está hablando muy, muy poco profesionalmente, ¿no? O sea, no voy a decir, pero quiere hacer prensa amarilla para ganar audiencia, nada más. Aquí voy a hacer una indiscreción, maestro. ¿Qué pasó con los cuerpos que decomisó el Ministerio de Cultura del Perú hace apenas unas semanas? El Ministerio de Cultura los envió a la Unidad de Investigación Científica de la Fiscalía de la Nación. Y como ellos no tienen tomógrafo, lo único que han tenido que hacer es cortar, abrir, romper, para después hacer pruebas químicas y reportar que son las sales que sus equipos sostienen, ¿no? O sea, ¿destruyeron los cuerpos? Bueno, es que no pueden hacer otra cosa, doctor. No pueden hacer otra cosa. ¿Y para qué lo hicieron? Supongo que dentro de su visión, pues, que a lo mejor querrían buscar materia biológica activa después de 1000 años de desecación completa, donde usted, bueno, usted quizás, digo, el público en general no sabe que cuando una materia orgánica se deseca y pasan los años, el carbono, el chon es el carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿no?, que nos compone a nosotros, el carbono se puede quedar como parte de compuestos químicos en la materia. Pero el oxígeno se va al aire, ¿no? El oxígeno. Y el nitrógeno también se va al aire.
en la mayoría de las estructuras es lo que va a pasar. Y por supuesto, en la medida que tenga más componentes de sales, como la cáscara de huevo, pues más carbonato de calcio encontrará. ¿Y podrían utilizar esos argumentos para decir que ya demostraron que son falsos? Definitivamente lo van a usar de esa ¿Los manera. Van a usar? Sí. ¿Para decir que ya descubrieron que son muñecos? No, para decir que son cuerpos que no tienen, no han tenido vida. Pero yo he demostrado que la finura anatómica que estoy demostrando, con entrada de los huevos, los plexos, eso es irrefutablemente que es vital. O sea, los cuerpos que usted investigó son reales. Completamente reales, no fabricados, y no hay posible inteligencia humana que pueda... O sea, cualquier esfuerzo en ese... Voilà, donc on vient de découvrir l'intervention du professeur Ruiz Vela. Que faut-il retenir de cette intervention, Thierry? Je sais que c'est un des chercheurs qui t'a, parmi tous, beaucoup impressionné. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son intervention? Parce que là, on n'a vu qu'un extrait. Oui, c'est un chercheur qui m'a beaucoup impacté, et pas seulement moi, parce que, encore une fois... Ex-président de la faculté de médecine du Pérou, membre de l'Académie des sciences, médecin légiste, chirurgien plastique, spécialiste de la réparation des mains, pour savoir si Maria a les mains autant, et les pieds authentiques, il n'y a pas mieux pour le déterminer. Il est venu vraiment avec son matériel à l'UNICA et il a bien étudié tous les détails de la main de Maria et de ses pieds. Et il est également spécialiste en microchirurgie. Donc, le mec, s'il y a une manipulation, il va forcément l'avoir. Microchirurgie, même si ça a été fait s'il y a un fake qui a été fait avec des moyens pas possibles, il va le détecter parce que c'est son métier. Donc, si les momies sont des montages grossiers, comme certains le prétendent, et qu'on est allé à coups de scie pour raboter une main et couper des doigts et en rallonger certains, lui, le moindre petit coup de scalpel sur un os, il va le détecter. Voilà, il va le détecter. Et encore une fois, il n'a aucun intérêt professionnel de dire qu'elles sont authentiques ou quelque chose comme ça, si ce n'est pas le cas. Parce qu'il va se décrédibiliser, etc. Ils jouent leur réputation, tous ces gens. Ah, exactement. Alors j'ai pris quelques notes sur l'ensemble de son intervention. Alors David Ruiz dit par exemple qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune technologie qui permettrait de créer de tels êtres. Aucune technologie moderne dans le cadre d'un fake moderne. La manipulation osseuse laisse toujours des traces sur les tomographies. C'est-à-dire que si on avait rajouté des os dans les mains, les pieds ou je ne sais pas où, les tomographies qui sont des scanners de haute définition le montreraient, on pourrait le déceler. En ce qui concerne l'attitude du ministère de la Culture, alors extrapoler sur toutes les momies à partir de ce qu'est visiblement... Ah oui, alors il explique que l'attitude du ministère de la Culture s'est basée sur les petits corps, les petites poupées montrées par Poncero en 2017, où visiblement il ne s'agissait pas de corps viables, et en plus où Paul Roncero avait malencontreusement cassé la jambe de l'une de ses poupées, il avait mis de la colle, et il avait dit au mec, là j'ai mis de la colle pour le réparer parce que je l'ai cassé, et bien sûr, le mec du ministère de la Culture a utilisé cet argument pour dire, bah, vous voyez, il y a de la colle, donc c'est un assemblage moderne. Ouais. Et en ce qui concerne l'avenir des momies qui ont été interceptées le mois dernier, à l'aéroport de Lima. Alors, c'est vraiment... on était vraiment désolés par la bêtise de ceux qui ont envoyé ces deux momies au Mexique.
Et donc, elles ont été interceptées à l'aéroport de Callao, au Pérou. Et le ministère de la Culture et la Fiscalia ne disposent d'aucun moyen, aucun moyen avancé, aucun scanner HD pour pouvoir étudier de manière académique dans le cadre d'un protocole ces deux momies. Et donc, ils ont désossé les momies pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et alors, ce qui est assez croquignolesque, mais on en rit, mais c'est presque triste. Il dit, il y avait l'une des momies avait des œufs. Et alors, ils ont dit, bah, vous voyez que c'était des faux œufs, c'était du calcium. Et bien sûr, c'est du calcium, un œuf qui s'est conservé pendant des siècles, ça devient de la poudre quand tu le touches, et c'est du calcium. C'est un peu comme si un mec tombait sur un os de dinosaure et un autre lui dit, mais c'est pas un os de dinosaure, c'est de la pierre. Ben oui, après des Oui, millions d'années, c'est le même un os de principe, ouais. dinosaure, ben voilà. Et donc, c'est vraiment des pieds nickelés, mais c'est affligeant parce qu'ils ont sûrement porté atteinte à du patrimoine culturel qui, encore une fois, qui n'a pas de prix au ministère de la Culture. Alors, ce que dit David Ruiz également, ces corps sont réels. Par exemple, il a vu autour des œufs de certaines momies, alors il a mis en évidence une entrée dans les œufs pour nourrir l'embryon, ainsi qu'autour des œufs, une zone placentaire avec des restes d'éléments nutritifs qui permettaient sans doute le développement des œufs. Ça, on ne l'avait pas vu, nous. Mais alors, encore une fois, ça confirme, c'est des choses que tu ne peux pas inventer et que tu ne peux pas créer dans le cadre d'une fraude. Ça, c'est vraiment, encore une fois, la confirmation que ces corps sont authentiques. Alors, il a exprimé ses regrets concernant le manque de moyens et l'attitude des autorités qui portent atteinte au peuple péruvien. Les œufs sont entourés de petits restes de matériel organique. Il ferait partie des nutriments qui permettraient au développement des œufs, ça j'ai dit. La furcula, c'est-à-dire c'est l'os que l'on trouve chez les petits êtres de type reptilien. Il a vu que je crois que c'est chez Victoria, elle a fait, alors écoutez, c'est quand même balèze, que la furcula, elle est fracturée et il y a eu une intervention très ancienne, une intervention médicale Oh. pour réparer la fracture et elle a cicatrisé. Oh. Car il y a en effet une ossification post-chirurgicale. Une chose impossible à réaliser, j'en ai des Ouais. frissons, impossible à réaliser il y a des siècles ou des nerfs. Qui C'est avait énorme une ça. technologie pour réparer un os et encore une fois qui a. Pardon, qui a cicatrisé. Incroyable. Concernant le coup Incroyable. de Victoria, le docteur Ruiz a aussi mis en évidence l'existence de matériel biologique. Vous savez, vous vous souvenez, on avait fait un prélèvement d'une vertèbre pour les analyses ADN. Et le docteur Ruiz a vu du matériel biologique entre les vertèbres cervicales qui permettait l'élongation, la rétractation du cou, comme chez les tortues. Oui, C'est une Bien hypothèse que sûr. tu vas, t'avais déjà avancée. C'est Oui, vrai. bah, j'avais peut-être vu ici C'est ça, ça nous a tous marqué cet aspect-là. On va en Oui, savoir le plus. côté rétractile. Ouais. Voilà. Il assure que ces êtres ont bien été vivants et qu'ils ont bien vécu sur Terre. On ignore le motif de leur disparition, peut-être n'ont-ils pas pu s'adapter aux conditions de notre planète. Selon le docteur Ruiz, il n'existe aucune technique artificielle pour créer ces corps. Ces derniers ont été examinés par des dizaines de radiologues au Pérou, dit-il. Même avec 1 million de dollars, on ne pourrait pas créer ces corps sans laisser des indices importants. Je rappelle que David Ruiz est chirurgien plasticien. Il fait de la reconstruction de mains ou de pieds post-accident.
Il pratique de la microchirurgie. Donc pour lui, dans le cas d'une supercherie, même très élaborée, il serait décelable au rayon X ou plus encore au scanner HD. Il y aurait toujours des traces, même ici, évidemment, il l'assure, ce n'est pas le cas. Enfin, concernant les deux momies saisies par la douane, alors j'y reviens, du Pérou à l'aéroport, des contacts de David l'ont informé qu'ils auraient été désossés, je suis désolé, je me répète, non, mais... afin tu de... peux le dire plusieurs fois, il y en a besoin même. Ouais, aucun protocole scientifique respecté. Concernant les œufs, ils auraient dit qu'il ne s'agissait que de calcite. Alors évidemment, encore une fois, je répète, mais c'est pas grave. S'agissant d'œufs vieux de plusieurs siècles... Il y a une certaine logique derrière tout ça. Ouais, voilà. Et c'est comme ce que je disais sur les fossiles de dinosaures. Après des millions d'années, il n'y a plus de matière biologique, mais c'est de la pierre. Et pourtant, ce sont bien des os. Voilà en gros ce que disait David lors de son intervention à la seconde audience. Je peux prendre un commentaire ? Bien sûr. De Jerry Impige qui nous dit « Bonsoir à tous, dommage qu'on en soit encore à démontrer ces choses-là. C'est maintenant comment, en fait, là c'est maintenant comment il vivait. En fait, il voudrait savoir comment il vivait, il venait d'où, qu'est-ce qu'il venait chercher. Enfin, en gros, les autres questions. Mais ça, c'est des questions qui vont venir après. Voilà, mais là, il y avait besoin quand même sur Nuria de cette émission et ces résultats de la faculté. Tu vois, en fait, pour certains, on va trop loin et pour d'autres, on est en retard. On n'est pas tous au même stade sur le chemin, il y a plusieurs chemins. Mais. Il y a des questions qui viendront après, mais déjà, faisons les choses dans l'ordre. On y va. Et à la fin de cette émission, il y aura notamment une hypothèse, moi, qui m'a interpellée. Moi, je pense que sur Lumière d'Étoiles, il y a possibilité que le sujet soit réabordé. Mais je vais le laisser quand même sur Nuria TV. À ce niveau-là, là, avec tous les résultats scientifiques, je le laisse ici. La chaîne secondaire Lumière d'Étoiles, il n'y a pas toutes ces données scientifiques. Nous, on va très, très loin. C'est pour ça que j'ai besoin que vous avanciez avec Nuria TV quand il y a des informations scientifiques. Parce que moi, je vais vraiment très très loin sur la chaîne secondaire. On ouvre la voie. Donc, vous n'êtes pas prêts pour les sceptiques déjà de ce sujet, venez pas sur Lumière d'Étoiles. Ou aller faire un tour et découvrir. Thierry. En tout cas, ce qui est passionnant quand tu discutes avec ces chercheurs, encore une fois, tu parles avec des gens qui ont des carrières, ouais, qui sont hyper professionnelles, et quand tu les entends parler. Pour eux, donc, l'authenticité ne fait pas de doute. Et eux, ils se posent des questions. Pourquoi ils ont disparu? Quelle était l'utilité de tel ou tel implant? Mais c'est incroyable. Il y a encore plein de champs de recherche à venir. Les métaux utilisés, comment ils ont fait pour fabriquer tout ça, les implanter dans les mains, par exemple? Enfin, il y a tellement de questions. Tout à fait, l'osmium, l'argent pur, etc. Plein de questions qui sont à venir. On n'a pas fini de parler de... Oh non, je pense que d'autres soirées nous attendent. Thierry, le professeur Willy Ruiz Vela parlait du ministère de la Culture, de leur incapacité, selon lui, à gérer correctement les corps qu'ils ont récupérés à la douane. On a d'autres échos aussi, et c'est mentionné dans le communiqué de l'université d'ICA, sur les bâtons dans les roues que leur met le ministère de la Culture. Là, j'ai un commentaire de Fred, peut-être tu vas confirmer ou pas ce qu'il nous dit, puisque Fred, c'est une question, il nous dit « Que pensez-vous du non-renouvellement à leur poste du doyen Zuniga, donc Roger Zuniga qu'on a vu tout à l'heure, et du recteur Moreno Luega, donc qui est le responsable, le big boss à l'université d'ICA. Est-ce qu'il y a conflit entre le ministère de la Culture et les hautes instances de l'université ICA? Alors, à l'évidence, les autorités péruviennes ne veulent pas laisser aboutir les recherches sur les momies de Nazca. Ils sont intervenus 6 fois depuis 2019 pour essayer de récupérer les momies. Et il faut savoir également que dans la nuit du 7 au 8 novembre, c'est-à-dire quelques heures après l'audience, le recteur de l'académie, le recteur de l'université d'ICA a été destitué.
dans la foulée. Suite au communiqué. Ça montre bien, j'imagine que c'est suite au communiqué, parce que ça vient seulement quelques heures après. Alors c'est la SUNEDU. La SUNEDU, c'est la superintendance, c'est un peu l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche, qui a destitué le recteur justement pour avoir émis ce document. D'accord. Donc oui, les autorités sont relativement contre pour l'instant. On espère que ça ne sera pas toujours le cas, mais pour l'instant, c'est tendu. Voilà, nous, à l'Institut Incarné, on veut impulser un musée sur Nazca ou Palpa, des momies non humaines de Nazca, et on a évidemment besoin d'une collaboration avec le ministère de la Culture. Et sans le ministère de la Culture, ça sera un peu compliqué. Donc, on espère qu'à un moment donné, tout ça va se calmer. D'accord. Bon, à suivre. Après, qui dit ministère de la Culture dit qu'il y a aussi derrière des intérêts politiques. Les politiques vont et viennent, donc les choses peuvent changer. Oui, et d'ailleurs, l'année dernière, je ne sais pas si vous aviez entendu parler d'une exposition magnifique qu'il y a eu au Mexique, à Tijuana, l'exposition Cholula, où, consacrée aux momies de Nazca, très moderne, avec des télévisions, il y avait des reproductions de momies, et il y avait même une ou deux momies de type reptilien qui a été présenté. Et il y avait une reproduction échelle 1 de Maria. Elle était si bien faite, elle était si bien faite que le ministère de la Culture a immédiatement porté plainte contre Roger Zuniga et contre le vice-recteur pour atteinte au patrimoine culturel et pour extraction de matériel culturel hors du pays. Alors que... C'était une reproduction peut-être en imprimante 3D. C'est fou. Non, c'était un artiste que j'ai rencontré chez Jaime la semaine dernière. Et d'ailleurs, on a fait, ici à Jungle Doc, on a fait une interview de ce sculpteur avec Roger Zuniga. Et c'était assez marrant, c'était assez cocasse, non. Parce que le sculpteur disait, ben oui, c'est moi qui ai sculpté Maria et qui ai valu tant de problèmes à Zuniga. Mais il faut quand même se dire que la police a débarqué à l'université et il voulait embarquer Zuniga et Martin Larcon. C'est vraiment allé très loin. Et donc, le ministère de la Culture utilise le moindre prétexte pour récupérer les momies. Ouais, je crois que tu nous as assez bien dépeint l'ambiance générale entre le ministère de la Culture et les gens qui tentent de faire avancer les recherches sur ces momies. Je te propose, Thierry, qu'on poursuive notre découverte des interventions. Cette fois, c'est Edgar Martin Hernandez. Lui aussi est un chercheur et scientifique péruvien. Ce qu'on sait sur ce monsieur, c'est que lui aussi, il est professeur à l'université d'Ica. Il est docteur en santé publique, stomatologue, spécialiste en radiologie buccale et maxillofaciale. Est-ce que tu as d'autres infos à nous communiquer sur le professeur Hernandez? Il est anthropologue et professeur à l'UNICA. Oui, voilà. Ce qui est déjà, et, ce qui est déjà pas mal. Oui, ce qui est déjà pas mal. Il a pas mal travaillé donc sur Maria. On va découvrir son intervention, du moins une petite partie, et on en discute juste après. À tout de suite. D'accord. Buenas noches con todos. En primer lugar, mi agradecimiento al diputado Sergio Gutiérrez Luna por la invitación hecha. Bien, voy a empezar mencionando que uno de los argumentos de los pseudocientíficos que dicen que hemos o que alguien armó estos especímenes con manos y pies triáctilos. Cuando se ha intentado hacer, como ven en la imagen, cuando se le quitan los dedos a una mano o un pie, dejan huellas. Como están viendo en la imagen, las flechas indican que cuando se hace esto, dejan huellas indelebles. Ven ustedes esos escalones, esos huecos que cualquier anatomista o radiólogo se da cuenta que han sido pues, fabricados. Hemos hecho unos experimentos prácticos con pies y manos, y hemos encontrado los mismos resultados. Ahí ven lo mismo, un pie humano con todos sus huesos, luego le hemos extraído el primero y el quinto dedo con sus respectivos metatarsianos,
y se observa un escalón ahí. Esas flechas indican los lugares donde se nota un vacío, donde falta el hueso correspondiente con el dedo. Vemos que al extraerle estos dedos, el dedo pulgar y el dedo meñique, dejan huellas, esos escalones o ángulos donde se observa que los dedos han salido. Bien, ahora voy a hablarles del examen que hemos hecho a la cabeza del espécimen María. Este espécimen tiene dos partes en la cabeza, como el humano también, ¿no? Cráneo y cara, divididos ambas partes por la base craneal. Ya hemos medido el volumen que tiene cada una de estas partes, cráneo y cara, y hemos encontrado diferencias. En el humano adulto normal, la proporción del volumen del cráneo y de la cara es de 1:1. En esta imagen de tomografía hemos hecho el cálculo de diámetros, longitudes, usando un software que es el Radian Daikon. El cálculo que están viendo ahí en la imagen nos permite determinar el volumen. Aplicando la fórmula, determinamos que el volumen craneal del espécimen María es de 1.995 centímetros cúbicos. Igualmente, a nivel del cráneo, usando el diámetro bicigomático, ya tenemos la tercera dimensión. Haciendo el cálculo correspondiente con la fórmula antedicha, obtenemos un volumen de 1.575 centímetros cúbicos para la cara de María. Luego vemos, comparando estas dimensiones, que en caso de la momia María, tenemos que la proporción del volumen de la cara y del cráneo es de 1:1.3. En el humano normal adulto es de 1:1. La diferencia es de 419 centímetros cúbicos. ¿Qué significa esto? Que hay 419 centímetros cúbicos de masa encefálica más o mayor que en el humano. De acuerdo a los criterios y principios de la evolución, pues esto significa que este espécimen debió tener mayor inteligencia que el humano. No lo digo yo, lo estamos viendo ahí con las evidencias. Y algo mucho más extraño es la forma que tiene el hueso calcáneo del pie de María. Nosotros los humanos tenemos en este hueso calcáneo una fuerte prominencia hacia atrás que forma el talón, lo cual nos permite mantenernos erguidos, inclusive inclinarnos un poco hacia atrás. En el caso de este espécimen María, tenía el calcáneo totalmente diferente, como ven en la imagen, era redondeado y no tenía ninguna prominencia posterior, lo cual nos hace suponer de que María no podía permanecer erguida como nosotros, sino que se inclinaba hacia adelante al estar de pie o al caminar. Ante una hipótesis extraordinaria, se requieren también evidencias igualmente extraordinarias y nosotros como equipo de investigación creemos que la tenemos. Gracias. Voilà, donc on vient de découvrir un extrait de cette intervention-là. Le point qui semble important que le professeur, c'est Hernandez, oui, c'est professeur Hernandez, qui met en avant, il commence sur les crânes et sur le volume des crânes. Ça, on en parlait dès le début, d'un volume plus conséquent. Lui, il fait une étude sur le rapport, si j'ai bien compris, entre la partie basse qui correspond à la partie faciale du crâne et la partie haute. Et toi, comme moi, comme Thierry, on aurait un rapport de 1:1 entre ces deux parties. Là, sur les momies, on a un rapport de 1:1,3, donc totalement différent de l'être humain. Mm-hmm. Ça suppose oui. un encéphale plus gros. Tout à fait. Le docteur Hernandez a fait une étude profonde sur Maria et sur son crâne. Qui a des caractères. Il a vu qu'il y avait des caractéristiques humaines et non humaines. La cavité crânienne, il dit qu'elle est naturelle. Elle n'a pas été déformée artificiellement. Les déformations artificielles crâniennes modifient la distribution du cerveau dans la boîte crânienne, mais elles n'augmentent pas pour autant le volume du crâne. Tout à fait. Or, le docteur Hernandez a confirmé que Maria avait 19 à 20% de capacité crânienne supérieure à la normale. Mmh. Il a vu également que ses os sont massifs, ses mains et ses pieds ont 3 doigts, donc des orteils de 5 phalanges, il les a comptés. Comptez-vous les phalanges.
base. Et il n'a pas... Il n'y a pas tout le temps des trucs hyper détaillés, hyper pointus. À un moment, tu comptes les phalanges. Tu commences par ça. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié les affirmations que nous, on avait présentées au Congrès de la République en 2018. Et donc, création de pieds tridactyles à partir d'un pied humain, point d'interrogation, pour lui, c'est impossible, car ça se verrait. Idem pour les mains. Il a également abordé la question des globes oculaires, puisque certains pensent que les globes oculaires ont été rabotés. Ah oui, mais c'est tous les deux. Je vais finir l'émission tout seul à ce rythme-là, parce que quand ils se parlent dans un fou rire, c'est on peut plus. Tu en auras ce mariage, vous savez pareil. Ne regarde plus. Ne regarde plus Nora. Donc, les globes oculaires. Ce mariage était collé comme ça à elle. Je pouvais pas la toucher, on faisait super attention, mais j'étais quand même collée comme ça. Elle a une tête immense. C'est impressionnant. Se dit dans les milieux autorisés que Maria aurait pris la grosse tête. Sur ce, j'en dis pas plus. Ah, c'est pas impossible. En tout cas, les globes oculaires de Maria sont projetés vers l'avant. Oui, si tu peux montrer à l'écran. Et n'ont pas été agrandis de manière artificielle dans le cadre d'une fraude moderne. Est-ce que tu peux répéter cette phrase ? Excuse-moi Thierry, est-ce que tu peux répéter la phrase sur les globes oculaires ? Oui, les globes oculaires de Maria sont projetés vers l'avant et n'ont pas été agrandis de forme artificielle dans le cadre d'une fraude moderne. Il s'agit de leur taille réelle. Les globes oculaires sont intacts, ils n'ont pas été rabotés par des faussaires. Les yeux possèdent deux paupières. Alors ça aussi, c'est un détail assez incroyable. Deux paupières, alors que les humains Homo sapiens, on n'a qu'une seule paupière. Donc une qui descend et une qui monte. Ouais, voilà, une supérieure et une inférieure. La mesure du crâne, très différente de l'humain. Partie crâne bien supérieure à l'humain. Donc, est-ce que c'est une preuve d'intelligence ? En ce qui concerne le talon de Maria, Edgar Hernandez aborde également ce point qui est important parce qu'il montre qu'il est dans de l'humain. Maria devait se tenir et marcher en se penchant un peu vers l'avant. Maria a des points communs avec l'Homo sapiens, mais elle présente également des différences. Elle pourrait, et ça c'est ce que dit Edgar Hernandez, elle pourrait être un hybride. Les os des avant-bras sont très espacés. Nous, on a deux os et ils sont assez proches. Dans le cadre de Maria, ils sont assez espacés. Je crois que... Oui, ça se voit super bien à l'écran. Ouais, il parlait de 2,6 cm de mémoire. Cette caractéristique ne se trouve pas chez l'homme, mais plus chez le gorille. Il retient l'idée d'une hybridation il y a 750 ans. Et cela constitue pour lui un grand mystère. Il y a encore beaucoup à investiguer, conclut le docteur Hernandez. Justement... Et encore une fois, oui. Non, encore une fois, il faut insister, ce sont des professionnels qui ont des diplômes, une carrière professionnelle et qui parlent en connaissance de cause et qui ont étudié directement les momies et qui ont réalisé les radios et les scanners. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Tout à fait. N'hésite pas à le répéter parce que chaque fois, c'est ça. Ça appuie encore plus les informations, la crédibilité des informations. Enfin, tu parlais le docteur Hernandez parlait d'hybride. Justement, on va découvrir une autre intervention, cette fois-ci d'un scientifique mexicain. Alors lui, c'est le docteur Ricardo Rangel Martinez. Pareil, je vais vous trouver une petite photo pour compléter les portraits. Le voici. Donc, là, on a affaire à un scientifique du Mexique, dont je disais,
spécialiste et biologiste, spécialiste en biotechnologie, en médecine régénérative et en recherche avancée de la thérapie cellulaire. Autant dire que là, on a affaire à quelqu'un, si on veut parler analyse génétique et ADN, c'est la personne qu'il nous faut. Ouais, j'ai rien à rajouter. Il faudrait quelqu'un du même niveau, tu vois. Exactement, c'est vraiment quelqu'un de très haut niveau et qui a repris les sources FASC des analyses ADN, c'est-à-dire les analyses qui avaient été présentées au Congrès de la République du Pérou et qui sont actuellement sur une plateforme, sur une banque de données génétiques mondiale accessible à tous les spécialistes. Et donc, c'est à partir de cette banque de données qu'il a repris les analyses ADN de Maria. Et il a trouvé des choses absolument exceptionnelles, incroyables. Ok. Il est juste pas à la retraite en ce moment. Regarde la photo, il est jeune, monsieur. Je veux juste une confirmation. C'est-à-dire qu'en gros, il met son CV en avant, sa carrière en avant. Il bosse encore. Actuellement. Ça veut dire que si on prend la main dans le pot de confiture en train d'inventer des choses ou de falsifier des preuves, sa carrière peut être en tout cas gravement ralentie. Tu parlais tout à l'heure d'hybridation, on a parlé de ses avant-bras, de l'écartement de ses os qui font penser à l'espèce des gorilles, des éléments qu'on va retrouver dans son intervention, présentés avec d'autres études. Vous allez voir, c'est surprenant. On vous laisse découvrir une partie de l'intervention de Ricardo Martinez. Buenas tardes, noches ya a todos, honorables miembros de la Cámara de Diputados, honorables miembros del Presidium, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, muchas gracias por su presencia. Nuevamente me presento aquí de manera libre y voluntaria para dar mi testimonio e interpretación a los análisis de las secuencias obtenidas del ADN aislado de un organismo identificado como 0003 y al que se le ha identificado de manera coloquial con el nombre de María. Como consta ya en evidencias documentales presentadas con antelación en esta audiencia, a este organismo se le han tomado muestras de tejido para someterlo a un estudio de datación del carbono 14, arrojando una antigüedad aproximada de 1700 años. En la muestra de tejido obtenida del hueso de la mano de María se sometió a un protocolo de aislamiento de ADN para posteriormente realizar una secuenciación masiva en un aparato de la marca Illumina. Posteriormente, los resultados de la secuenciación fueron ingresados a la plataforma pública de los archivos de secuencias de lectura del Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. De los 647 millones de lecturas, se lograron identificar el 97.38 de ellas y solamente 2.62% de las secuencias de lectura no lograron ser identificadas con las secuencias del GenBank, es decir, aproximadamente unos 16 millones de lecturas. Es decir, que estas 16 millones de secuencias no coincidieron con los organismos vivos conocidos hasta este momento. De esta gran cantidad de ADN identificado, es decir, este 97.38 de secuencias de lectura, un pequeño porcentaje corresponde a DNA de microorganismos que contaminaron la muestra o que forma parte de la microbiota tegumentaria, es decir, un 2.13% de las secuencias de lectura aisladas de la muestra obtenida de este espécimen disecado de nombre María. Por tanto, el restante 95.25% corresponde a DNA del tejido obtenido del organismo en cuestión. Al poner atención en el resultado final, resalta y llama poderosamente la atención que se identifica con el 30.22% de las secuencias de lectura con el genoma del ser humano, es decir, Homo sapiens, pero también incluye una rama taxonómica anómala del género Pan, con un 3.05% de las secuencias de lectura obtenidas del organismo en estudio. Sorprendentemente se puede observar
que la nueva información desplegada corresponde a las secuencias de lectura identificadas en dos especies de simios, los cuales son identificados por género y especie, tratándose de Pantroglodites y Pampaniscus, es decir, de chimpancé y bonobo. Pero lo que quiero concluir, básicamente, es que este organismo contiene secuencias de dos simios que provienen de África. Eso es muy extraño. Y es una proporción bastante similar, aproximadamente un 15% de ellas. Esto nos habla básicamente, efectivamente, que se trata de un híbrido. Y existen las comparaciones, en la siguiente diapositiva también se puede observar que hay experimentos en donde se ha podido comparar células que se han hibridado entre mono y chango, perdón, entre mono y Homo sapiens. Entonces, por lo tanto, es muy importante, pues, que podamos tener la manera de generar evidencias que nos permitan aclarar cómo es que estos elementos se han generado, porque no existe, pues, hasta el momento, cómo es que hace 1.700 años lograron llegar aquí organismos híbridos de dos simios que se encuentran en África y, por otra parte, se hayan podido hibridar con Homo sapiens. Entonces, pues bueno, con esto quiero terminar mi participación, Jaime. Voilà, donc là on vient de découvrir cette intervention qui soulève un fort étonnement et un nombre de questions assez incalculables. Si on résume, parce que c'est compliqué de comprendre ces histoires d'ADN, on a déjà essayé de s'y frotter en 2018, je me rappelle, où on essayait tous de proposer une lecture des expertises ADN, et quand on n'est pas spécialiste et qu'on ne connaît pas la chose, c'est compliqué. Là, ce que ce monsieur nous explique, c'est qu'on a affaire à un ADN qui correspond de près ou de loin à 30% d'êtres humains, et qu'on trouve aussi à quantité équivalente des proximités avec le chimpanzé et le bonobo. Jusqu'ici, j'ai... Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas si les gens ont bien compris ce que cet expert a expliqué, qui est très lourd en conséquences et en implications. Il dit que Maria est un hybride d'humain à 30%, en gros, de chimpanzé, de bonobo, et d'un quatrième individu non identifié, qui a possiblement donné la tridactylie et les spécificités un peu exotiques, un peu étranges, ouais, voilà, de cette espèce. Chimpanzé, bonobo, on parle de gens, on parle de primates africains. Donc, comment peut-on expliquer la présence d'un individu qui soit en Amérique du Sud avec des gènes Homo sapiens, chimpanzés et bonobos, et encore une fois un gène non identifié, inconnu? Et ça me permet de revenir sur ce que l'on disait tout à l'heure avec les analyses de Genetech en 2017-2018, qui avaient été lancées par Steve Mera et ses amis, parce qu'à Genetech, ils avaient déjà identifié des gènes de grands primates. Et alors, ils parlaient, je crois, même du gorille à un moment donné, et ça avait paru un peu incongru, un peu bizarre. Et on n'en avait pas trop parlé. Et là, ils viennent de confirmer ces informations. Et ça explique également pourquoi Maria a une ossature assez pas rustique, mais assez robuste. Par exemple, Edgar Hernandez parlait des avant-bras dont les os étaient espacés, un peu trapus, avec des globes oculaires, une maxillaire supérieure un peu en avant, etc. Oui, non, qui rappelait un peu des grands primates. Et
Donc, Maria aurait quatre types de gènes différents. Et il explique également, Ricardo Rangel Martinez, qu'il est impossible qu'il s'agisse d'une sorte de mutation naturelle. Et il dit que quelqu'un, entre guillemets, a force est forcément à l'origine de cette manipulation génétique. Il y a 1750 ans. Ceci dit, l'élément va peut-être mettre d'accord tout le monde, les détracteurs comme les gens qui prêtent attention à ce dossier, c'est qu'on a affaire à des corps artificiels, mais pas de la façon dont on le pensait. Voilà, au final, tout le monde avait un peu raison. Voilà, et le biologiste continue en disant que il parle d'une opération, d'un processus complexe d'hybridation artificielle. Et on parlerait, et c'est, je veux dire, le mec, il a pas, il s'est pas shooté à l'ayahuasca ou au San Pedro. Il a son bagage académique, il sait de quoi il parle. Et encore, il prend des précautions quand il s'exprime. Et il explique également, et c'est pas le seul, que Maria serait peut-être un mâle. Oui, ça revient plusieurs fois. Sérieux? Ouais. Et il est très difficile de déterminer. Alors, l'inconnu subsiste et peut-être du fait de cette hybridation justement. Cette difficulté de déterminer avec certitude s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle s'explique peut-être du fait de l'hybridation. Les os de Maria apparaissent robustes comme ceux des grands singes. Et là, moi, ça me laisse. Ça nous a tous laissé pantois, même Jaime, quand il lui a posé d'autres questions en lui disant que ce qu'il venait de dire était fondamental et que c'est bombe atomique. Ça veut dire que c'est la confirmation que. Alors, de l'authenticité, mais nous, on n'est plus à se poser ce genre de questions. Et ça pose plein d'autres questions sur l'origine de Maria et sur ceux qui sont derrière cette opération d'hybridation. Ouais, on va découvrir tout à l'heure un autre témoignage qui est lui aussi très surprenant, qui prendra peut-être le contre-pied de ça. Et il n'en est pas moins qu'on a l'impression, et je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, mais là, on a l'impression de nager en pleine science-fiction. Ah, tout à fait. Tout à fait, ça va. Pardon, validé par l'ADN quand même. Oui, ah oui, non, mais quand je dis science-fiction, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est que là, on est dans des scénarios. On parle d'un individu, Maria, qui aura 1700 ans et qui serait le fruit d'une expérience, d'une hybridation en plusieurs espèces. Ouais. Voilà, complexe. Et tous ceux qui contredisent les pseudo-scientifiques, etc., je les invite à se connecter à la banque de données nord-américaine de Maria. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce fichier, mais ils peuvent avoir accès à toutes ces données génétiques et vérifier tout ce qui a été présenté par Ricardo Rangel Martinez. Super. C'est ouf, nous dit Jenny. Voilà, pas de mots. C'est ouf. On va poursuivre Thierry, puisqu'il y a encore des éléments importants. Contrairement à tous les autres témoignages qu'on a découverts, cette fois-ci, c'est une dame qui prend la parole. Merci Alain, MCBI. C'est le MCBI. Alain me tient au courant. Ah, merci Alain. le fichier MCBI, donc sur Alien Project. Voilà, le fichier. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, et donc les gens peuvent aller s'y connecter et faire eux-mêmes tirer eux-mêmes leurs conclusions. Ouais. Voilà. Encore une fois, la transparence est de mise. On le dira jamais assez. Donc je disais, contrairement à aux gens qui ont pris la parole avec une tribune essentiellement masculine, il y avait quand même une dame qui n'était pas sur la tribune le jour des audiences au Congrès du Mexique, qui était en duplex depuis le Pérou avec le journaliste Mantilla, et donc qui a fait part, elle aussi, du résultat de ses travaux sur les momies. Cette dame, elle s'appelle Anushka Malpartido Cavides. Alors, au niveau de son CV, elle est experte judiciaire en criminalistique,
est spécialisée en orthodontie et orthopédie maxillaire. Est-ce que toi, tu as d'autres infos sur le parcours et les travaux de Madame Malpartido Cavides? Elle est également professeure à l'université de Cusco. D'accord. Important à préciser. Donc là aussi, on a affaire à quelqu'un de rondement diplômé, compétente et qualifiée pour analyser ses corps. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un extrait de son intervention et on en discute juste après. C'est parti, Anushka Malpartido Cavides. Vamos a pasar con la doctora Anuska Malpartida Cavides. Ella es perito del Poder Judicial del Perú, experta en criminalística. Muy buenas noches, Anuska. Muy buenas noches, Joyce. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco también al diputado Sergio Gutiérrez. Gutiérrez por la invitación. En el caso de María, las cosas más resaltantes que se ha encontrado fueron principalmente a nivel bucomaxilofacial. Tenemos los desgastes bastante marcados, sobre todo en la parte superior, anterosuperior. En la parte superior, la parte de arriba tiene desgastes extremadamente traumáticos. Estamos hablando de una momia que tenía Un un tipo cerdo, de, ¿no? o un ser Claro. que tenía algún tipo de hábito o utilizaba la parte anterior como una herramienta. Pero con cosas demasiado duras. Claro. Se han desgastado a tal extremo que ha perdido dientes y siguen desgastados. Los más chiquitos son casi remanentes radiculares. ¿Es por la cantidad de comida que ingería o las veces que practicaba su Podríamos alimentación? referir que ha podido tener una ingesta hasta de 5 a 6 comidas al día, porque Y muy duras, y además. bastante duras. Y la marcación que tiene mucho más resaltante es en la parte anterosuperior. Existe un desgaste bastante pronunciado como para poder sugerir que ha utilizado los dientes como una herramienta. También se le hizo a María un odontograma, esto con la norma técnica nacional. En este odontograma, toda la zona que ves acá, no se Las observa, marquitas pero azules. las azules son los dientes que ha perdido María, son las piezas que ha perdido en vida. Ha tenido sus 32 piezas dentales. Ha tenido sus 32 piezas dentales y probablemente María tuvo un dentista. Es muy probable que María haya tenido una intervención con un especialista, que sería un dentista de la época, con un equivalente, Un ¿no? dentista de la época, porque el reborde es bastante uniforme, es bastante liso. Hay una cicatrización de una data de pérdida de entre 10 a 15 años antemortem. Ahora, se ha utilizado un esquema antropológico de Weistrau-Wellacker Ya. que nos da la configuración de la caracterización de sexo en el cráneo, donde las dos primeras imágenes que vemos acá corresponden a femenino y las dos últimas imágenes corresponden a masculino. Okay. En las dos primeras imágenes, si nosotros hacemos la comparación del cráneo de En María la parte baja, en ¿no? la parte baja, en la parte posterior, que es la parte de la protuberancia del cráneo, nosotros podemos observar acá que el desarrollo es casi imperceptible. Y si yo quisiera darle una aproximación, estaría en un punto intermedio, ni para femenino ni para masculino. Siguiente. Ahora vemos en el otro contexto, el desarrollo de las apófisis mastoides también es bastante ancha y grande y no podría No ubicarlo en corresponde ese contexto. con Es ninguna de las calificaciones o las consideraciones humanas, muy digamos. grande, es muy grande. Vamos a Siguiente. ver el techo de las órbitas. Eso está sobre el Está encima empezamos en la los frente, digamos, premaxilares, correcto. sobre los ojos. Los filos no corresponden, Tampoco. son bastante planos, es muy marcado. La morfología es La bastante morfología robusta, robusta. es bastante robusta. Ahora, Bastante. en la parte inferior también tiene una marcación más para masculino. Ya. Cuanto a las manos y los pies, solamente un alcance, las manos de María son bastante largas, son bastante grandes, no existe aparentemente ningún tipo de manipulación. Ahora, a nivel de los pies, acá tengo una radiografía de uno de los pies de María y podemos ver uniformidad. Lo de la derecha es humano. Tendría la pérdida del escafoides, o sea, si yo quisiera hacer una mutilación acá, habría un sobresalte del En escafoides. la línea roja, Exacto. Y ya. en este lado, a nivel del cuboides. Yo acá Es vemos, limpio. está totalmente parejo, está La limpio. base de los huesos al unirse Existe con la relación planta. de cabezas que encaja perfectamente uno con otro. Dentro de las conclusiones, y muy rápido lo digo, no existe ninguna alteración morfológica en las órbitas, todas son regulares. Las órbitas miden 40% más del estándar clásico.
No hay ningún tipo de indicio de mutilación a nivel de los dedos de los pies. Las manos también, como ya habíamos visto, son bastante regulares, no hay alteraciones. Esta momia tiene una aproximación de género a masculino por la tonicidad, el grosor, la protuberancia de todos sus rasgos, y aún así, ni siquiera supera un estándar femenino y también supera un estándar masculino. Es como único. Es bastante robusto. Es único. Es bastante robusto. Yo quiero agradecer muchísimo a la doctora Anuska Malpartida. Muchas gracias a todo el público que nos sigue a través de la señal del Congreso de México. Y gracias, muy buenas noches. Hasta aquí, Grace Mantilla, desde la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Muy buenas noches. Voilà, donc on vient d'écouter l'intervention du docteur Anuska Malpartido Cavides, qui reprend beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus ce soir, qui vient confirmer, je pense notamment sur le fait qu'il n'y a pas d'intervention, selon elle, sur les mains, et qu'elle ne trouve aucune malfaçon, aucune intervention extérieure sur la forme et, que prennent ses mains et ses pieds. Oui, et pour répondre à un commentaire que vient faire une experte judiciaire en criminalistique, justement, les experts en criminalistique, ils sont experts dans tout ce qui est la physiologie, l'ossature, etc., des gens, pour savoir justement s'il s'agissait d'hommes ou de femmes à scène de crime, pour reconstituer des corps, pour savoir s'il y a eu des fractures dans le cadre d'agression, etc. Donc, ce sont des ultra spécialistes du corps humain. Et donc la docteure Anuska Malpartido explique que Maria avait eu ses 32 dents, oui. Pardon. Et, 32 ans et toutes ses dents. Voilà, c'est presque ça. Qu'elle en a perdu 9 et qu'elle utilisait ses dents comme des outils, surtout dans la maxillaire supérieure. Ses dents étaient en relativement mauvais état. Les dents de Maria montrent que celle-ci a eu recours, alors c'est ça qui est incroyable, du fait de sa mauvaise dentition, Maria, Alain est en train de se marrer à murer, les gens, les dents de Maria montrent que celle-ci a eu recours à un dentiste, entre guillemets, de l'époque des Nazca. En effet, celles de ses dents montrent qu'elles ont subi l'intervention d'un spécialiste dentaire, Nazca. On rappelle juste qu'elle date de 1700 ans. Il faut remettre dans le contexte à chaque fois si on a oublié ou si vous êtes arrivé juste maintenant sur le live. Il faut voir quel type de soins, mais c'est déjà surprenant. Ouais. Maria aurait vu un dentiste donc 10 à 15 ans avant sa mort. On constate en effet la réalisation de travaux dentaires modernes de type moderne sur la dentition de cette personne. Elle compare également la coupe transversale du crâne de Maria avec celle d'un crâne humain normal, c'est-à-dire Homo sapiens, et de constater que l'os du crâne de Maria apparaît beaucoup plus épais que celui d'un Homo sapiens. Encore une fois, c'est vraiment des choses très factuelles. Ouais. D'après Anuska, Maria serait plutôt un mâle, mais encore une fois, il y a des incertitudes, âgée entre 30 et 40 ans. Le doute du genre subsiste. La docteure confirme également que la boîte crânienne de Maria est naturelle et qu'elle n'a pas été déformée artificiellement. Et puis enfin, elle revient sur les pieds de Maria et confirme qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune espèce de manipulation dans le cadre d'une fraude moderne. Voilà ce qu'elle explique. Et comme tu me disais là, genre, à l'époque, voilà, elle a, à cause de, enfin, tu sais, sur comme elle utilisait ses dents comme un outil, tout ça, elle devait avoir des rages de dents de malade. Et donc là, ils avaient des dentistes, elle s'est fait soigner 15 ans avant de mourir. Enfin, c'était, même si à 1700 ans, on a vu chez les Égyptiens notamment, des restes, en tout cas on a des infos comme quoi elle pouvait aller très loin quand même dans la médecine, donc
Ouais, on peut mettre ça de côté pour les missiles de 100 ans, je suis d'accord. Mais c'est quand même assez hallucinant parce qu'on se demande même comment elle peut marcher, comment. Enfin, tu vois, on se pose toujours des questions. Ce qui fait réfléchir, c'est. Tout à l'heure, on a parlé d'hybridation et les analyses ADN. Ce professeur nous parlait de chimpanzés, de bonobos. On a parlé de gorilles. Maintenant qu'on remet tout ça un peu en place, la forme du crâne. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Hein. Je pense à voix haute. La forme du crâne est peut-être pas sans rappeler les crânes de chimpanzés ou de gorilles. Le fait d'utiliser beaucoup ses dents et de les utiliser comme outils et d'avoir 5 ou 6 repas par jour, comme le mentionnait le docteur Cavides, peut-être que ça peut faire penser aussi au régime alimentaire de certains grands singes comme le gorille. Le fait de marcher sur l'avant, là aussi on retrouve des caractéristiques qui sont simiesques et qui correspondraient aux analyses ADN. Juste Thierry, Boulmax disait justement « Les singes marchent en étant portés sur l'avant. Cela confirme pourquoi Maria n'a pas de talons en forme de forme humaine, mais plutôt comme ceux des singes. Peut-être voilà, se déplaçait-elle comme... » C'est ce que je disais, c'est que c'est la démarche du singe où on retrouve la même chose. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très possible, très probable. Je rappelle aussi que l'on avait constaté la présence d'empreintes digitales sur les pieds qui n'étaient pas de type Homo sapiens, puisque nos empreintes digitales sont de forme spiralée, alors que chez Maria, elles étaient parallèles. Ça serait bien d'ailleurs de comparer les empreintes digitales de Maria avec celles de grands primates. Il faudrait voir. Ouais. Mais en tout cas, encore une fois, des réponses et de nombreuses questions qui arrivent derrière. Tu voulais nous parler aussi, Thierry, parce que j'ai pas d'extrait pour toutes les interventions. Il y a une autre intervention qui, toi, te semblait importante de partager. Bah, je te laisse la parole et nous dire de qui il s'agit et du contenu de cette intervention. Oui, je voulais également faire un résumé de l'intervention du docteur Irvin Zuniga-Almora, qui est médecin chirurgien, chirurgien plasticien, chirurgien dentiste et... Qui travaille à ICA, Irvin Zuniga s'est penché sur Maria et sur les corps humanoïdes reptiliens. Il s'est notamment intéressé aux plaques de métal. Mm-hmm. Et il a découvert que ces plaques n'étaient pas simplement collées. Encore une fois, on se fait toujours l'avocat du diable dans le cadre d'une supercherie moderne. Donc, il ne s'agit pas de plaques simplement collées sur la peau, mais qu'elles ont été, elles avaient littéralement fusionné avec le corps hôte dans un incroyable processus de biointégration. C'est ce qu'il a découvert. Le docteur Irvin Zuniga explique qu'au moment d'enlever l'une des plaques, parce qu'ils ont donc enlevé l'une des plaques de Louisa, je crois, il y a tout un paquet de chair qui est venu avec. Avec le morceau de métal, comme si le métal avait fusionné avec l'or. Naturellement, aucune trace de colle ou d'éléments chimiques modernes n'a été détectée. Le docteur Irvin Zuniga fait le parallèle avec les techniques médicales modernes d'implantation d'objets métalliques pour réparer le corps humain, tels que des implants dentaires, qui est de ses spécialités. Il montre comment notre organisme s'approprie et colonise l'objet implanté, c'est-à-dire un implant dentaire. Il a constaté le même processus avec les objets métalliques découverts sur les momies. Cela suppose donc l'utilisation, selon lui, d'une technologie médicale avancée il y a plus de 1000 ans. Et cela montre aussi que les individus étaient vivants au moment, ça c'est important, au moment de l'opération, les individus étaient vivants puisque le corps a clairement réagi face à l'implantation de ces objets. Ça, c'est un élément fort. Le docteur... Ah bah oui. Le docteur... Mais Alain ne pouvait pas tout faire en quelques jours, donc on lui pardonnera. Ah mais bien sûr. Le docteur Irvin insiste sur le fait que ces plaques ne sont pas collées sur les corps. Il a fallu que les médecins de l'époque possèdent une technique avancée pour trouver le moyen de faire fusionner ces deux éléments. Certains implants sont composés d'argent à 95,5%,
avec présence d'un peu de silicium, une pureté inconnue, on l'a déjà dit, à l'époque, et très difficile à réaliser aujourd'hui. Ça, c'est, je pense que c'était une intervention également importante. Quand, merci quand je pour les le ai partage. Vus, c'était impressionnant. Sur le plastron, il y avait pas mal de diatomées dessus, mais sur les mains, j'avais soulevé une main, je me suis vraiment rapprochée, je regardais, et en fait, le rond en métal qu'il y avait sur le dos de la main, le haut de la main, était comme enfoncé. Enfin, je voyais, tu sais, la peau limite soit à égalité, ouais, soit un peu au-dessus. Je me disais, mais comment c'est possible ce truc? Enfin, c'est vraiment bizarre. Il y avait un élément qui allait dans ce sens-là. Pareil, je reviens sur la précédente série d'analyses. Il n'y a pas une des momies qui avait une sorte de... c'est dans la hanche et qu'il y avait une calcification de l'os au-dessus de la prothèse. Oui, et une réaction sclérotique. C'est-à-dire que la chair colonisait un petit peu l'implant, ce qui fait que l'objet avait été posé du vivant d'Albert. Eh oui. Ça, encore une fois, on est sur des éléments... Et il a vécu longtemps avec cet objet-là, pour que ça colonise comme ça. Enfin, vraiment comme... C'est dingue. Incroyable. J'ai un commentaire qui me semble intéressant. Il y a Jean qui nous dit « Singe, on enchaîne sur reptilien, j'ai rien compris. » Mais dans le cadre de créatures qui seraient issues d'hybridation, qu'on retrouve des caractéristiques reptiliennes, simiesques ou autres sur le même individu, n'est pas forcément étonnant. Et du coup, pour les hypothèses, on va penser à toutes les options donc, de chaque de ces encore... espèces. Ouais. Dans le cas de Maria, on n'a pas trouvé de gène dans son ADN, de gène reptilien, à ma connaissance. On a trouvé 4 sources de gènes différents, l'humain, le bonobo, le chimpanzé et une espèce encore inconnue. Inconnue. Oui, le mot reptilien, c'était moi qui avais dit tout à l'heure, parce que je ne sais plus dans quel sens, mais je m'étais dit en le disant en plus, tiens, j'ai rajouté un mot qui pourrait donner à confusion. Et voilà, c'est arrivé, donc merci, au moins ça aurait été inscrit dans la vidéo. Et comme ça, Thierry aura pu répéter les bases, mais voilà. Donc il n'y a pas de gène reptilien en fait à l'intérieur. Pour Maria. Tu nous parlais des implants, Thierry, et de cette fusion entre les implants et le corps. Il y a un spécimen parmi tous ceux que vous avez pu découvrir avec ton équipe et les chercheurs dont on parle ce soir, qui en comporte de nombreux. Et moi, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas s'il est récent celui-là. Et Alain m'a envoyé la vidéo de celui que vous avez prénommé Artemis. Avant que je lance cette petite séquence vidéo qui permettra à tout le monde de le découvrir, donc qui est de la même espèce à première vue, hein, comme ça, que Alberto, Victoria et ce qu'on appelait communément la famille. D'où vient ce corps? Quand a-t-il été récupéré? Quels sont les éléments autour de cette momie? C'est un corps que Mario nous a prêté il y a un an ou deux, je sais plus exactement. On a fait des radios, on a fait des scanners HD avec Cliff Miles, et c'est un corps qui a 3 œufs. Alors au début on pensait qu'elle avait 4 œufs. Et c'est pour ça que j'avais baptisé Artemis, parce que c'était notamment la déesse de la fécondité, des choses comme ça. Mm-hmm. Et elle a cette plaque de métal. Et on a découvert, il n'y a pas très longtemps, grâce à mon ami David, Frop Frop, que je salue, qui nous regarde, que les plaques, en tout cas certaines de ces plaques, on n'est pas sûr pour toutes, contiennent également de l'osmium. Donc, que vient faire l'osmium dans ce cas, ça reste un grand mystère. Mais on n'a pas encore étudié complètement toutes ces momies. Il y a plein de choses à faire, et notamment de l'ADN. Il y a du boulot. Il y en a encore pour de nombreuses années. Souvenez-vous, j'ai dit il y a 6 ans que dans 20 ans, on parlerait encore des momies de Nazca et qu'on aura encore de nombreuses, nombreuses questions. Et ce sera le cas, vous verrez. On découvre les images en vidéo de cette momie nommée Artemis. Lo que tiene esta parte 2
Del pie también dos. Igual dos cuerpos, que se saque todo. Uh-huh. ¿No? La idea es eso, ¿no es cierto? Yeah, pues. Que salga todo. Voy a sacar los huevos, parto de la boca. ¡Wow! ¡Wow! Hay cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuánto dices que hay? Cuatro. ¿Cuatro? Dos, tres, cuatro. Elle est pleine de surprises. Hein. Ah si si. Mais on vient de vivre un nouveau petit coup de théâtre lorsque Rosé, en radio, s'est aperçu qu'il y avait un septième implant dans la partie, sur la partie supérieure du crâne. On le voit ici et on le voit sur la plaque de profil. Il s'agit d'une petite plaque qui doit mesurer 1 demi-centimètre de large pour 3 centimètres de long. Alors, donc, 7 implants et on peut vraiment se demander pour quelle raison les anciens Nazca ou ces êtres, lorsqu'ils étaient vivants ou à leur mort, ont eu le besoin, la nécessité de mettre des implants ici, là, là, ici, 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 et sur la partie antérieure du corps, au niveau du bassin. 7 implants, 4 œufs, c'est vraiment un spécimen unique avec Albert, avec Joséphina, Louisa. On a vraiment un nouveau spécimen totalement unique et on a vraiment l'impression qu'il y a de la matière. On voit également que la colonne vertébrale est un peu déformée, donc c'est peut-être un spécimen qui a souffert de problèmes osseux, on ne sait pas. Est-ce que ça s'est fait du vivant de cette espèce ou après la mort? On a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une déformation due à peut-être à une maladie. En tout cas, un 7e implant et un nouveau rebondissement dans cette incroyable affaire des momies Nazca. Voilà, bah déjà Thierry, un grand merci pour ces images. Merci à toi et à Alain aussi. Alain, coucou, si tu nous regardes, et je sais que c'est le cas. Merci pour ces images et cette momie Artemis qui appartient à ce qu'on appelle la famille et qui, ouais, qui a des caractéristiques, beaucoup de caractéristiques communes, mais quelques spécificités dont je te laisse nous parler. Elle est... Moi, je la trouve très intéressante parce que sur les radios, sur les scanners, on trouve les os, les membres, etc., très, très harmonieux.
et bah, la présence de ces plaques de métal et des œufs font que c'est un spécimen très, très intéressant. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que s'agissant des petits reptiliens humanoïdes, est-ce qu'il y a vraiment un genre masculin et, ou féminin? Et est-ce qu'on ne serait pas plutôt face à une espèce hermaphrodite? Est-ce que le fait qu'Albert n'ait pas d'œufs signifie qu'il ne peut pas en avoir? Parce qu'on n'a pas trouvé d'organes sexuels masculins, féminins dans aucun des spécimens. Donc peut-être que tous ces spécimens ont leur cycle de reproduction naturel ou artificiel. Et le fait que Victoria n'ait pas d'œufs dans l'abdomen ne signifie peut-être pas pour autant qu'elle n'est pas en capacité d'en avoir. Et donc, je me posais la question si vraiment cette espèce était genrée. Ouais, bonne question. Et ça se confirme. Alors, ça se confirme sur les plus grosses momies, en l'occurrence Maria, avec cette indécision à déterminer son sexe. Et sur les petites, effectivement, on peut avoir affaire, comme c'est le cas dans le monde animal, à une espèce hermaphrodite ovipare. Oui. Alors, dans le cas des reptiliens, des petits reptiliens, ils seraient ovovipares. C'est-à-dire que l'ion se forme dans un œuf, mais il sort du cloaque formé. C'est-à-dire, il n'y a pas... Les petits reptiliens ne pondent pas des œufs, si tu veux. Ils expulsent l'embryon, enfin le fœtus, formé. Mais il est formé dans un œuf, dans l'abdomen. C'est pour ça que l'on parle d'ovovipare. D'accord. Ça existe. Ça existe à l'état dans le monde animal, tel qu'on le connaît. Ah oui. Oui. Il y a plein d'espèces comme ça d'ovovipare. Tu les as pas en tête, mais c'est des cas connus dans le monde. Tout à fait. Je me demande si l'ornithorynque, je vais peut-être dire une connerie, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais il suffit de chercher sur Google espèces ovovipares et on va en trouver plein. Ok, on regardera ça. On va découvrir également une nouvelle momie que tu as présentée. Pardon, les serpents. Les serpents, je crois qu'ils sont ovovipares. Ils naissent pas, il n'y a pas d'œuf de serpent, mais il y a des œufs dans le corps du serpent. Je dis peut-être aussi une connerie. Donc, on va faire une étude, mais j'y connais pas plus que toi sur la reproduction. Alors, ovovipare, nous dit Cosette Olivier, la couvaison se fait dans le corps. La couvaison. C'est ça. Et après, il y a expulsion du nouveau-né. Voilà, expulsion, accouchement, mise au monde, un petit peu plus... On dit une mise boche, l'animal. Romantique. Voilà. On va découvrir... Donc, aussi... Oui, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, donc ce serait le cas de cette espèce humanoïde reptilien d'après les spécialistes qui les étudient actuellement. Ok. Ok. Alors Alain me dit les vipères, les orvées et les requins sont ovovipares. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans Alain? Merci Alain. Merci Alain. On va découvrir une vidéo des images que tu as présentées lors de l'audience au Congrès du Mexique. Donc c'était seulement des images, hein, il n'y avait pas le corps avec toi au Mexique, mais toi tu as pu récupérer ces images. Et on a affaire à une momie qui nous fait étrangement penser à Maria. Mais là aussi, il y a des choses qui semblent différer. On regarde les images et puis tu nous commences ça juste après, Thierry. Ouais. Celle-ci s'appelle Earl. Ouais. Thank you.
Voilà, donc vous avez pu découvrir ces premières images de cette momie baptisée Earl. Alors, Earl, on en parlait en off, en référence à un célèbre alien. Oui, c'est l'alien qui aurait survécu au crash de Roswell en 1947. Après ce que raconte l'infirmière Mathilda. D'après la légende, il s'appellerait Earl. Le fameux, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire autour de l'infirmière de Roswell et de l'entretien avec Earl l'alien. Donc voici la référence. Vous avez une émission sur ce sujet sur Nuria TV en compagnie d'Elisabeth de Caligny. À qui on fait un gros bisou au passage. Vous saurez tout sur Earl. Qu'est-ce qu'on sait de cette momie, de son histoire? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ses caractéristiques sans avoir le corps entre les mains? Alors, c'est une personne qui nous a signalé son existence il n'y a pas très longtemps. Et Earl, c'est une idée de Cliff Miles. Donc, on était heureux de lui faire plaisir. Et c'est un cas que l'on est en train d'investiguer en ce moment. J'ai reçu cette vidéo et quelques images de la part d'un certain Roberto Quispe Sanchez. Qui nous a dit qu'il avait des contacts avec Mario et qu'il aurait trouvé cette momie dans le site de Mario il y a déjà quelques mois. Et donc, nous, on aimerait bien pouvoir y accéder et faire des scanners, éventuellement des analyses ADN. Et on est en train de travailler, on espère pouvoir convaincre la personne de nous accéder à cette entité. Et en tout cas, ça démontre que les espèces hybrides comme Maria n'est pas unique, ce dont on ne doutait pas depuis le début. Oui, d'autant qu'à l'époque, on en avait déjà vu passer en photo une autre qui depuis, me semble, est partie en Russie ou quelque chose comme ça. En tout cas, une des momies qui a été expatriée du Pérou de façon un peu étrange, et pas par vous, hein, je le précise, mais il y avait déjà d'autres cas de momies semblables à Maria. Oui, c'est la fameuse momie Petra qui a été découverte à peu près en même temps que Maria. Mais Guillaume, je te rassure, elle n'est pas en Russie, elle est bien au Pérou. Ah. Enfin, je n'en dirai pas. Il faut pas croire tout ce qu'on lit sur la toile, alors. Ah, voilà. Évidemment. Voilà. Je vous apprends. Elle est bien. Elle est bien à Nazca, elle est toujours à Nazca, et heureusement d'ailleurs. D'accord. Et je tiens juste à préciser que Earl, c'est en lien avec cette histoire de petit gris ou d'alien de Roswell, mais ce Earl-là n'est pas du tout désigné comme étant un alien, un extraterrestre ou quoi que ce soit. C'est juste un petit clin d'œil qu'on lui a donné. C'est, voilà. On est sur un être biologique non humain. Il faudrait l'étudier, et pour le moment, on n'a pas accès à la momie, donc... J'espère qu'on aura plus d'éléments dans quelques semaines ou dans quelques mois. D'ailleurs, aucun des scientifiques présents le 7 novembre à Mexico ne s'est amusé à extrapoler sur ces momies et à leur prêter une origine extraterrestre. Ça, c'est pas rentré du tout dans le champ de réflexion des scientifiques présents. Ouais, exactement. Tout le monde reste très prudent. Déjà, démontrer l'authenticité des momies, c'est un pas énorme, c'est un pas de géant. Ensuite, déterminer leur origine, c'est une autre étape. Et puis, le pourquoi du comment des implants, des choses comme ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que la pierre angulaire de tout ça, ça reste le site d'où ont été extraits ces corps desséchés. En tout cas, ça serait un autre levier pour essayer de comprendre l'histoire autour de ces momies. Et un point essentiel, là, on a l'impression d'un corpus d'études, d'un lot de momies totalement déconnecté de l'environnement dans lequel on les a récupérées. Oui, et on travaille, mon équipe et moi, sur le site de découverte. Et il y a plein de choses extraordinaires que l'on a appris sur cette zone. Alors, pour préciser, ça me semble important, tu dis on travaille avec mon équipe sur site de découverte, vous travaillez à trouver ce site. Alors,
Je pense qu'on l'a localisé, mais on n'a pas pénétré à l'intérieur. Et alors il n'est pas sur Palpa, il est sur Nazca. Et il y a vraiment un contexte très curieux. En fait, tout ce que nous a dit Paul Roncero et puis ensuite Mario est confirmé par rapport à la localisation du site. Les habitants du coin m'ont dit que dans cette montagne, il y a des galeries. Alors, ils parlent des Incas, mais ça veut dire que c'est peut-être plus ancien. Et que le ministère de la Culture a fait plusieurs opérations pour essayer de trouver les entrées. Ils n'y sont pas parvenus. Ils y sont même allés avec des ingénieurs en géoradar. Wow. Et je me souviens d'ailleurs que même Mario, il y a quelques années, m'avait dit « Je pense que le site que j'ai découvert, c'est une pyramide, etc. » Et la chose également bouleversante qu'on a découvert, c'est que on nous a dit que depuis l'époque des Nazca, ce site s'appelle le laboratoire et que il parle et le mec il nous parlait sans savoir qui j'étais, sans nous parler des momies, etc. Et il nous parle de clonage, d'expérimentation de clonage humain et d'hybridation. Et on est tombé sur un petit livret publié en 2002 par un auteur local qui parlait de Nazca, des grands sites archéologiques. Et il parlait de cette zone, dont je préfère taire le nom, parce que sinon Alain va avoir un infarctus. J'imagine Alain, il est comme ça en ce moment devant son écran, dire Thierry, n'en dis pas trop, tu mets l'émission en danger. Et cet auteur qui est décédé en 2016 parle de cette région et il donne le nom donc il explique l'origine du nom et alors laboratoire. Clonage, hybridation, et donc, conclusion, ce nom signifie un laboratoire où on pratiquait du clonage et de l'hybridation. Et on ne parle pas d'hybridation agronomique, comme dans la région de Cusco, chez les Incas qui pratiquaient des expérimentations agraires. Il y a un site qui s'appelle Moray, que tu as peut-être visité, Nora, quand tu es venue. Mais on parle bien de hybridation, de clonage humain, parce que dans le nom d'origine Nazca, eh bien, c'est bien compris qu'il s'agit d'hybridation à base de sperme. Des expérimentations humaines. Voilà. Et on parlait au milieu de l'émission, donc ces momies, d'après les chercheurs, ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui, et alors ce livre, il a été publié en 2002, c'est-à-dire près de 15 ans avant l'arrivée des momies, la découverte des momies Nazca. C'est fou, quoi. C'est incroyable. Je vais finir la phrase parce que j'ai vu que tu ne l'avais pas fini. Je te laissais la place, mais bon, je vais le faire. Donc, c'est bah, merci. Donc, sur ce lieu-là, d'après ce qu'a raconté ce monsieur, ce lieu porte un nom. Qui parle justement d'un lieu de laboratoire, il y a cette histoire-là qui ressort. Et vous, après les analyses des momies, vous avez vu, enfin, d'après les scientifiques, on parle d'hybridation, justement, oui. De manipulation. Mais je voulais que ce soit bien clair. J'aime bien répéter les choses, parce que est-ce que c'est moi qui hallucine tout ça? J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Donc, je ne dois pas être la seule. Donc, c'est bien de répéter. On est un peu comme des enfants gâtés, on s'habitue à tout. Alors que ce soir, je ne sais pas, les Nuriens, si vous vous rendez compte. Bon, là, on parle de contexte, de légende, de typonomie, et peut-être on va en parler encore un peu plus. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qui a été balancé ce soir en termes d'informations. Encore une fois, si, pour ceux qui n'y croient toujours pas à cette histoire, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci, mais pour tous ceux qui s'y intéressent, on est sur un truc, on est sur une dose d'informations assez incroyable. Thierry, dernière question. Moi,
Non, juste pour ajouter, pour faire plaisir aux détracteurs, allez, cadeau. Y a même, on a même rencontré des témoins de la zone qui prétendent avoir vu des entités vivantes à proximité de ce site. Voilà, entités non humaines. C'est des grands gris, des grands gris, de 2 mètres 50. Voilà, ça c'est dit. Ceux des grandes mains. Voilà, ça va faire plaisir aux détracteurs. Avec les grandes mains là, ouais. Ceux dont on avait le squelette là, les grands. J'avais mis ma main à côté, c'est un truc de malade. Je pense que tout le monde n'est pas prêt, mais la vérité prend l'escalier. Elle a tout son temps. Thierry, sur ce site concrètement, est-ce que tu penses qu'à court, à moyen ou à long terme, le grand public, à travers peut-être des médias comme le nôtre ou des médias plus mainstream, aura accès aux informations autour de ce site? Est-ce que tu penses un jour pouvoir le filmer et partager des choses concrètes sur le site d'excavation de ces momies? On a déjà filmé pas mal de choses par rapport au site avec Alain. Il est venu avec nous, il a même perdu son drone sur la pyramide. On l'a retrouvé, fort heureusement, et on travaille dessus, mais je pense que ça prendra un petit peu de temps parce que, encore une fois, le site se trouve dans le polygone du ministère de la Culture. Les connexions, c'est une zone de silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone portable qui passe dans ces zones, etc. Et j'aimerais vous dire plein de choses dessus, mais... il y a plein de zones à Nazca où il n'y a pas le téléphone qui passe, enfin voilà, donc c'est on veut, Nazca, on veut c'est pas grand. On ne veut pas te mettre en porte-à-faux par rapport aux informations que tu divulguerais sur un sujet qui est encore en cours d'investigation et qui demande aussi, j'imagine, de la discrétion et d'y aller à pattes de velours. Mais tu sais, il y avait beaucoup d'archéologues qui disaient au départ, ce qui manque, c'est le terrain, c'est le lieu. Et pour les archéologues, ça, c'est le Graal. Tout à fait, il faut le contexte archéologique, et je pense qu'on l'a, mais c'est l'affaire la plus délicate. Je pense que c'est la pierre angulaire de l'histoire des mines Nazca. On en reparlera dans quelques temps, vous verrez. Un jour, il y aura d'autres révélations encore et encore sur ce dossier. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, mais déjà, aujourd'hui, il y en a pas mal. Et on va poursuivre avec une dernière vidéo pour ce soir, un dernier extrait de cette audience du 7 novembre au Congrès du Mexique, avec un scientifique qui va très loin, mais qui s'appuie sur ses travaux et qui a l'air totalement carré. Tu vas nous en dire un peu plus sur lui. Ce scientifique, c'est Celestino Piotti, un scientifique argentin. Qu'est-ce qu'on sait de ce monsieur, Thierry, au niveau de son CV et de ses activités? Alors, Celestino Adolfo Piotti, c'est l'un des plus grands anthropologues argentins. Il est chirurgien, il est médecin, il est donc anthropologue, il a fait de l'archéologie, de l'ethnologie. Il a travaillé notamment pour les tribunaux fédéraux de Cordoba. Il est professeur à l'université de Cordoba. Il est auteur de publications, d'ouvrages scientifiques et d'expertise sur l'anthropologie physique, médicale, sur l'évolution humaine. Il a vraiment un bagage, un CV monstrueux. Il est très respecté dans toute l'Amérique latine, il est très connu, et c'est tout sauf un charlatan. Et il a soutenu une thèse en 2002 justement sur l'évolution humaine et sur la différence entre les Européens, les Africains, les Asiatiques, sur les hommes et les femmes. Il a trouvé des différences morphologiques pour pouvoir déterminer les genres, etc. Il a vraiment fait des études de très très haut niveau, énormément de publications scientifiques. Donc, encore une fois, c'est pas un illuminé, c'est vraiment quelqu'un de très haut niveau académique. Eh bien, on va découvrir. Alors, pardon, il travaille actuellement sur les momies de Nazca, il s'intéresse beaucoup à ce thème, et comme tu l'as dit, Guillaume, il a
il a tiré des conclusions absolument incroyables, bouleversantes. Et c'est bien de le mettre en dernier parce que c'est un peu comme une conclusion. Ça ouvre des portes, c'est presque philosophique hein, ce qu'il donne dans ses conclusions. C'est exact, tu vois, ça ouvre des portes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a mis ça un peu comme quand on était lycéen et qu'on devait faire une rédaction. Tu sais, à la fin, on te dit, il faut faire une ouverture. Après ta conclusion, il faut une ouverture. Ben là, c'est ce monsieur qui va la faire pour nous. Je pense que les questions vont se bousculer dans vos têtes, les Nuriens, quand vous allez découvrir ce qu'il a à nous dire. C'est un extrait très court, mais qui en est... C'est du niveau de lumière d'étoile, là. On est sur la chaîne secondaire, là. On finit avec ça. Moi, je pense que Nora va récupérer le sujet pour en faire une thématique là, sur la lumière d'étoile. Oui. On découvre tout de suite l'intervention, un extrait en tout cas, du professeur Celestino Piotti. C'est parti. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve en lo que les voy a contar, les voy a relatar. Y luego voy a compartir con ustedes el resultado de lo que yo investigué en estos casos de las momias de Nazca. Siempre quiero aclarar que yo partí la investigación mía estrictamente desde el método científico aplicado a la ciencia médica. O sea, el método científico en donde yo no tengo ninguna chance de variar los resultados que me da, que son resultados puramente matemáticos y no son subjetivos ni que me gusten o no me gusten, simplemente me tengo que acatar al método científico. Entonces, recurrí a radiografías de cráneo, de perfil, las amplié y introduje dentro de ellas una serie de ángulos, de triángulos, de polígonos, de rectas, de anteroposterior, etc., y las medí. El resultado me dio una respuesta puramente aritmética. Me dieron números. Entonces, si ustedes tienen una escalera en donde le quieren agregar un escalón más, los resultados de estos seres me daban perfectamente que yo agregaba un escalón más a la escala evolutiva del hombre. Entonces, lo comparé también con una teoría de la evolución que yo hice opuesta a la de Darwin y que le llamé la teoría del guardián en el año 1980. Entonces me dieron los mismos resultados. Luego de eso pude determinar entonces hasta qué tipo de cerebro habrían tenido estas personas y ya las voy llamando personas. ¿Por qué? Porque el resultado final numérico que me da es que no son individuos del pasado ni del presente, sino son del futuro. Entonces, quiere decir que estos dos seres, María y estos seres de 60 centímetros de altura, deberían haber existido en el futuro y no en el pasado hace 1000 años o 1700 años de diferencia. El método científico no me puede contestar, por lo tanto yo tampoco puedo hacerlo. ¿Por qué aparecen en el pasado y no tienen que aparecer en el futuro cuando la especie humana nuestra actual esté desapareciendo? Y María sería el eslabón último de la especie humana nuestra que va evolucionando hacia otra, una especie nueva. Por lo tanto, María tendría parte de su genética humana y parte de una genética distinta. ¿Sí? En cambio, los seres más bajos serían totalmente de una evolución de una especie que va a venir después de nosotros. Resumiendo, serían nuestros descendientes. Esto yo lo dejo aquí. No quiero seguir hablando. Quiero que lo compartan conmigo y que piensen muy bien lo que yo les acabo de decir. Nada más. Alors là, j'ai envie de dire que ce monsieur il nous laisse tous bouche bée. Sauf les Padawan qui, il avait émis l'hypothèse un peu plus... Je pense que Denurien avait déjà émis l'hypothèse qu'on avait affaire à des voyageurs du temps. Mais en gros, son étude,
si j'ai bien compris, à l'aide de repères, il quantifie d'une manière ou d'une autre la structure du corps, de l'encéphale, etc. C'est pour ça qu'il parle de résultats arithmétiques, et que ça, mis dans une grille d'évaluation propre à la théorie de l'évolution de Darwin et à une autre théorie qu'il a développée, celle du Guardian, il en arrive à la conclusion que dans la chaîne évolutive, la place de ces êtres n'est pas il y a 1700 ans, mais qu'elle serait après nous. Voilà, il dit que Maria, en fait, selon la chaîne darwinienne de l'évolution, Maria devrait être notre descendant, c'est-à-dire l'homme tel que on sera dans 2 ou 3 millions d'années. Si on évolue comme ça, on va avec la technologie, on va perdre l'usage du pouce, du doigt, etc. Et on va avoir le crâne qui va s'allonger. Et pour lui, Maria serait le dernier maillon de l'évolution humaine avant une rupture des espèces qui aboutirait au petit gris humanoïde reptilien. Et c'est-à-dire qu'il dit que les petits gris, en proportion, ont un cerveau plus développé que le nôtre. Et que les hommes, eh bien, on va, avec le progrès technique, le progrès scientifique, on va perdre l'usage de nos membres, quoi, de notre corps. Donc, on va avoir le crâne qui va s'allonger, mais on va avoir les autres membres qui vont rapetisser. Et on va finalement aboutir dans 2-3 millions d'années à ce type d'espèce. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il dit que, en fait, ces momies, ce sont nos lointains descendants et non des reliques du passé. Donc, c'est extraordinaire de trouver ces reliques dans le passé péruvien, il y a 1700 ans, plus de 1000 ans, etc., alors que théoriquement, on devrait les rencontrer dans notre futur. Et alors évidemment, il n'a aucun doute, lui non plus, sur l'authenticité des momies Nazca, qu'il a étudiées de très très près. Après, je trouve que sa théorie, même si elle est séduisante, ne colle pas avec ce qu'on disait tout à l'heure des analyses ADN et de la composition de l'ADN, c'est-à-dire cette hybridation avec un chimpanzé, un bonobo. Et donc là, dans le cadre d'une hybridation, on sort totalement d'une grille d'évaluation par rapport à la théorie de l'évolution, puisqu'on n'est pas dans une évolution. Là, on est dans une irruption de l'intelligence humaine dans l'évolution en créant un hybride. Tout à fait. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque intervenant avait préparé, moi y compris, on avait préparé une intervention de 20 minutes, une demi-heure, et au dernier moment, ou quelques jours avant, on a tous dû diminuer pour donner la substantifique moelle de ce qu'on voulait dire. Et Celestino Piotti avait tout un développement, et ce qu'il faut entendre dans ce qu'il dit, c'est que le fait de trouver ces momies avec ces particularités dans le passé, c'est quelque chose de totalement incongru. Et donc, ça renforce l'idée d'une hybridation, d'une intervention extérieure pour justement aboutir à Maria et à Albert, Josefina, Artemis, etc. Je ne sais pas si vous comprenez. La logique dans l'évolution humaine, selon Celestino Adolfo Chiotti, c'est qu'on devrait trouver ces corps dans le futur, mais le fait qu'on le trouve dans le passé, ça montre qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas Darwin. Donc on en revient à ce que je te disais, il y aurait une explication artificielle, créatrice, non naturelle de ces êtres. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est amusé dans le désert de Nazca à créer plein de nouvelles espèces. Le docteur Frankenstein a sévi dans le coin, mais de manière très poussée. Voilà.
C'est en gros ce qu'il faut comprendre dans le, je pense, dans l'intervention du docteur Piotti. Et encore une fois, on parle de personnes de très haut niveau, c'est pas des illuminés, quoi. Tout à fait. Bien évidemment, gardons en tête la théorie qui dit que le temps n'existe pas, ou en tout cas tel que nous on le conçoit sur cette planète, c'est pas le, enfin, ce temps n'est pas réel. Donc voilà, faites un petit peu ce que vous voulez avec tout ça, mais vous m'avez cassé le chat. le chat est en ébullition. Thierry, ça fait bientôt 3 heures que tu nous as rejoint pour nous parler de ces momies. On va arriver sur la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a un élément ou deux pour lesquels on serait passé à côté, dont on aurait oublié de parler ce soir et qui te semble important, où on a fait le tour des points vraiment essentiels de cette audience du 7 novembre au Congrès mexicain? Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon résumé de ce qui s'est passé mardi dernier à l'audience du Congrès mexicain. Et encore une fois, Je suis désolé de le répéter, mais ce ne sont pas des amateurs qui se sont exprimés. Ce sont des personnes, des scientifiques, des experts de très haut niveau. Ils ont tous minimum un doctorat et des années d'expérience, etc., etc., de pratique. Ils savent de quoi ils parlent. Oui, je voulais aussi redire par rapport à tout ce que l'on a dit. Et ça tombe bien, c'est la conclusion de ce que disait le docteur Daniel Mendoza, qui racontait que dans les années 70-80, il avait rencontré une patiente qui avait 3 doigts, tridactyles. Et d'ailleurs, il en a pris des radios. Et c'est une personne, m'a-t-il dit, qui était originaire d'Ocucaré. Et il se demande... On en a parlé comme ça en off, si ce ne serait pas un lointain avatar, un lointain descendant des habitants de la région qui ont subi ces expériences d'hybridation. Parce que quand on voit, il montre les radios dans son intervention, et ce n'est pas des déformations. Les mains tridactyles, elles sont assez harmonieuses. Oui. Et donc, ça aurait été intéressant d'analyser les gènes, l'ADN de cette personne. Malheureusement, bon, ça fait une cinquantaine d'années, peut-être 40 ou 50 ans que ces radios ont été prises. Le docteur Mendoza a essayé de retrouver cette personne, mais il n'a pas réussi. Elle est peut-être décédée d'ailleurs. Mais en tout cas, il s'est définitivement passé quelque chose de très important dans la région de Nazca et de Palpa il y a des milliers d'années, il y a des siècles et des milliers d'années. Et en ce qui me concerne, je pense que l'on a répondu à la question de l'authenticité ou de la fraude des momies de Nazca, dans des plaises à certains grincheux. Parce qu'encore une fois, on a donné du factuel. Alors il y a quelques hypothèses bien sûr, mais ça c'est normal, mais les scientifiques qui sont intervenus la semaine dernière ont donné le résultat de leur recherche, et il n'y a pas la place pour eux du moindre doute sur l'authenticité de ces momies. Voilà ce qu'il faut retenir de cette audience 5 ans après la première au congrès du Pérou. Merci Thierry. Avant de se quitter, peut-être auras-tu une réaction sur un dernier élément. On va mettre une petite cerise en haut du gâteau. Oh là là, on n'en peut plus là. Pour ceux qui n'avaient pas eu assez d'infos pour ce soir, on voulait pas. C'est le but n'est pas de faire dans le sensationnalisme, mais en plusieurs mois, il y a énormément d'éléments qui se sont accumulés et qui ont été divulgués sur la même période. Je vais juste, moi, je voulais reprendre cette déclaration que j'ai trouvée dans une interview. Du professeur Roger Zuniga Avilés, qu'on a présenté tout à l'heure, donc cet anthropologue responsable de l'équipe qui fait les recherches sur les momies à l'université d'Ica. Et voilà ce qu'il a déclaré à un journaliste. Peut-être que tu auras une réaction par rapport à ça, tu n'es pas obligé Thierry, mais je pense que c'était important d'en parler. Voici ce qu'il dit, ce monsieur. « Je veux également vous préparer au fait qu'il y a encore beaucoup d'autres surprises à venir. » Ce ne sont pas les seules momies, il y en a bien d'autres. Il y a un crâne d'environ 80 cm de long
Il existe une créature semblable à une fourmi, mais elle a aussi trois doigts, un abdomen de fourmi et aussi une plaque métallique dans son abdomen. Rien n'a encore été touché, rien n'a été examiné. Finissons avec les momies actuelles pour commencer par les autres. Cela va vraiment bouleverser le monde. Oh là là. Là, on se dit que le dossier des momies non humaines de Nazca n'est pas arrivé au bout de ce qu'il a nous révélé. Oui, le dossier des momies Nazca est loin d'être clos. Il y a vraisemblablement plusieurs espèces. Lorsque l'on a présenté les recherches au Congrès de la République du Pérou, on était sur deux espèces, mais on est arrivé actuellement à peu près 5 ou 6 espèces. On n'a évidemment pas tout dit parce qu'il y a des choses qui sont très fraîches, très frais et qui ont besoin d'être analysées, etc. Et ça va venir dans les semaines et les mois qui viennent. Il doit y avoir des centaines ou des milliers de momies de ce type dans le site de Mario, s'il s'agit d'un ancien laboratoire avec sûrement une nécropole, etc. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. C'est énorme. Je vais juste prendre un commentaire de Mamier Sophie qui nous dit « Des informations fortes et pas toujours faciles à suivre. Du coup, ce week-end, je revisionne pour tout bien suivre. En attendant, superbe soirée. Merci à vous trois. Merci Thierry. » C'est vrai, il y a eu énormément d'informations ce soir. On a attendu, on sait pourquoi. Alors, tu as encore ouvert, grâce à toi, en fait, parce que tu me transfères les informations, parce que là, toutes ces informations viennent des scientifiques, mais pas de toi. C'est pas toi qui a fait ces comptes rendus, donc voilà. Mais tu nous les transmets, tu nous as aidé à traduire tout ça. Je te remercie énormément, mais c'est beaucoup d'infos. Et oui, c'est bien que Nora le reprécise. En tout cas, nous, à Nuria TV, on tient à vous remercier encore une fois, Alain de Jungle Alain Doc Productions, toi, Thierry, toute ton équipe d'Inkari. Je les remercierai jamais assez pour l'accueil qu'ils ont fait à Nora quand elle est venue vous voir au Pérou. Et surtout, un grand, grand merci à toi pour ta disponibilité, pour tous les gens en France et dans l'espace francophone qui veulent suivre ce dossier, qui se passionnent pour ce dossier. Et qui attendent des informations avec impatience. Il faut savoir être patient. Là, ça faisait presque un an qu'on n'avait pas couvert ce sujet des momies de Nazca, parce qu'il faut laisser le temps aux chercheurs. Mais à chaque fois qu'on fait appel à toi, tu réponds présent avec un grand sourire, comme on te connaît depuis le début de nos contacts via ce média. Donc nous, au nom de tous les Nuréens, on te dit un immense merci, Thierry. Ne change rien et bon courage pour la suite. Ça me touche beaucoup. Un grand merci à vous deux. Vous êtes toujours aussi adorables. Et on aurait bien aimé vous avoir au Mexique le 7 novembre. Mais on parle déjà d'une troisième audience avec Jaime, qui aura peut-être lieu au Pérou dans quelques mois. Mais on en reparlera peut-être. Ah oui. En attendant, les recherches continuent, pas pour savoir si c'est authentique ou pas. Bon, c'est classé, c'est validé. On a la réponse. Encore une fois, l'ADN a parlé, mais il faut comprendre pourquoi, comment, qui, etc. Il y a encore plein de choses à découvrir et je pense que il y aura encore pas mal de rendez-vous sur l'affaire des momies. On est encore vivant ici. C'est vrai. Je tiens juste à faire un gros bisou à toute l'équipe des modérateurs. Vous avez permis de faire en sorte que tout le monde puisse discuter sur ce chat. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne veulent même pas qu'on aborde ce sujet. Merci d'avoir laissé les gens discuter entre eux dans une super bonne ambiance. Merci pour vos blagues, votre humour. Il fallait qu'on rigole un peu sur le chat parce que c'était trop encaissé. Voilà. Donc merci à ceux qui ont apporté de la bonne humeur sur le chat. J'adore ça. Merci pour cet agréablement partagé en votre compagnie parce que je vous ai énormément lu. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions. Je vous en prie, s'il vous plaît, prévoyez la saison 2 juste de cette soirée, si on pouvait la refaire, mais avec plus de... C'est prendre le temps de digérer, c'est avec vous. Même si on n'aborde qu'un tiers des informations qu'on a vues là ce soir, mais qu'on revienne dessus peut-être. Et merci pour les nouvelles photos.
des nouvelles momies, parce qu'effectivement, je tiens aussi à rappeler que suivez bien les scientifiques avec le lien sous la vidéo, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, allez sur Alien Project, et de quelles momies ils parlent, parce que là, tu nous as partagé des nouvelles momies ce soir, qui ne sont pas encore analysées, qu'on n'a pas encore pu vraiment découvrir. Donc, je voudrais bien faire la différence encore une fois pour ceux qui souhaitent peut-être, je ne sais pas, contredire tel ou tel, que vous vous intéressez vraiment à la bonne momie dont s'est occupé tel scientifique. Que ce soit bien raccord. Et assurez-vous aussi d'avoir les bons documents de départ. Il y en a certains, ils ont fait des vidéos entières sur des faux documents. Donc, faites bien attention à ça. Vous avez le site d'Alien Project. Moi, j'ai confiance en ce site et aux données qui sont partagées. Tout a été fait comme ça depuis 5 ans. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous voulez vraiment fouiller de façon sérieuse ce dossier-là. C'est important d'avoir les bonnes sources pour bien démarrer déjà dès le départ. Voilà, c'est mon petit clin d'œil. Voilà, tout est dit. Thierry, il ne nous reste plus qu'à te dire un grand merci. Prends soin de toi. Et puis, je pense que nous nous reverrons bientôt, prochainement ou dans quelques mois. Mais en tout cas, nous nous reverrons sur Nuva TV. Ça ne fait aucun doute. Ouais, j'ai un peu chopé la crève en rentrant, je crois que je suis en train de me momifier. Je vous remercie infiniment, vous êtes toujours, encore une fois je le répète, mais c'est pas grave, aussi adorable, et je voudrais remercier tous les nains qui nous ont suivis, et à très bientôt, et à votre disposition pour prolonger les débats sur cette affaire, il n'y a aucun souci. Ça roule. Merci Thierry, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut les amis. N'oubliez pas. Les Nuréens, merci à vous. Elle l'a dit, n'oubliez pas, après cette soirée riche en émotions, en informations, il va falloir digérer tout ça. Vous avez l'info, faites-en ce que vous voulez, mais faites-en bon usage. Nous, on vous souhaite une belle fin de soirée et puis gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao.